Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfork pour un nouvel épisode de Héros et Chaos, toujours en compagnie de Muyu, Kwisatz, Ichinaru et Ardakion. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Bonjour. J'espère que vous passez une très mauvaise soirée. Cauchemardesque. Ouais, ça fait 6 années qu'on s'est pas vu. Voilà. Vous pouvez remercier l'absence de l'elfe, hein. C'est le moment hein, si jamais vous voulez. C'est bon, molester en effet. Je pense que t'as dépassé ton record de vitesse de d'intro par contre. Voilà, superbe. Non, j'ai fait plus vite. J'ai déjà fait plus vite. C'est vrai. Oui, j'ai déjà fait plus vite. Donc, toi, de cette distance, notre ami Aziel, oui. Tu vois donc le vite fait le coin de cette créature maléfique. Qui te fait froid dans le dos rien qu'en le voyant. Et tu vois l'espèce de guerrier valdinguer par terre et s'effondrer ouvert en deux. Ah oui, d'accord, ok. Bon là-dedans, là, c'est bien là. C'est quoi ici hein? Pareil, c'est un talus. Il y a un talus. Dedans, on ouais, ici aussi c'est un talus en fait, comme là en fait, c'est des talus. J'ai essayé d'escalader en fait. Ah, tu fuis quoi. Tentative de fuite. Non, bah, en fait, je voulais à la base, je voulais me planquer pour genre lui, il va tuer, je me doutais qu'il allait le tuer. Du coup, je voudrais bien qu'il parte. Je viens ici, je prends le cristal et je sors mon chien. D'accord, très bien. Donc tu fais un jet d'escalade s'il te plaît. Oui, avec des dés de défense, je te prie. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Athlétisme, escalade, donc je lance 3D, j'en garde 2. Ok, donc, ça passe, t'arrives à passer de l'autre côté. Donc je te place donc ici. Sauf si tu souhaites rester sur le talus, bien sûr, c'est toi qui vois. Bah, je veux d'abord voir ce qu'il y a dans la pièce avant de descendre. D'accord, normal. Il y a un buffet. Il y a buffet, il y a pot. Il y a pot. Bah écoute, je vais. Est-ce que le buffet a de grosses serrures? Ou est-ce que c'est genre un buffet sans serrure? Qui sert à... C'est sans serrure. C'est sans serrure. Je peux pas voir à travers. Bah je vais juste l'ouvrir très doucement en faisant attention avec ma dague en main. Pour éviter que c'est quelque chose en sorte. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Hein. En mode FBI, hein, je fais attention. Hein. Enfin, en mode police. Hein. Je ne vois pas le buffet. Qu'est-ce qui se trouve dedans? Quand tu ouvres le buffet, tu te prends un piège à pieux en pleine face. Tu me fais un jet d'esquive, s'il te plaît. Comme j'ai de le dire, j'ouvre en FBI. Genre, je me mets sur le côté et j'ouvre la porte avec le bras. Pas de soucis. Tu me fais donc une seule réussite, s'il te plaît. Devant. Ça suffira. Pas devant. Une seule réussite suffira. C'est-à-dire que je lance pas comme des du coup. Bah des défenses. Et il faut que tu fasses un bouclier. Mais c'est quoi comme stat que je... Bouclier de défense, pas d'attaque. Des blancs. Ah oui, de défense, je suis con. Et du coup je lance quel cas? Bah esquive, c'est agilité, esquive. Donc c'est esquive. Agilité donc 2D. Bah, et il faut faire un bouclier blanc monsieur. Bien. Ça va me planter dans le bras. Ça se plante dans ton bras. Tu n'as pas d'armure, évidemment. Tu prends donc 2 points de vie, pleine face. Paf, il y a un coup de pieu qui vient de taper dans la trogne. Est-ce que mes vêtements, genre, au niveau de mes manches, sont un peu en cuir? Ils sont un peu en quoi? En cuir, genre, je voudrais mordre dans ma manche. Non, t'as pas d'armure. Non, mais je veux mordre dans un vêtement en fait. Je pourrais peut-être crier comme un con et t'attirer lui. La douleur est soutenable parce qu'en fait le pieu qui te frappe c'est celui qui frappe ta tête et en fait il te met un coup sur l'arcade et ça te sonne plus que ça te fait hurler parce que t'as pas un truc qui te rentre dans la chair, tu prends vraiment un côté puisque tu prends que 2 points de vie. Ça sonne un peu, tu te décales un tout petit peu et le buffet tombe par terre. J'arrive pas à le faire tomber, mais on est d'accord, il tombe par terre, c'est incroyable. Hop là, il tombe par terre sous le poids de ses propres pieux. De quoi? Ok, d'accord. Quel magnifique poids, je disais. Ouais, grâce à son merveilleux poids, fantastique. Ce qui fait un vacarme du feu de dieu. Est-ce que je prends un dégât surtout? Je
pas entendu. Tu as pris 2 dégâts. Ah super, il m'a un HP. En général, c'est à partir du vacarme que ça fait chier le monde. Ouais, ah. Bah oui, bah. C'est aussi vrai que peut-être qu'il pourrait dire, ah, dégâts plus, je serais mort, quoi. Non, mais fais attention. Début du tour... début du tour des ennemis. Oh là. Le nain, pendant que tu es en train de trimballer ta deuxième armure, tranquillement, tu mates d'un coup d'œil quelqu'un que tu connais très bien. C'est Philippe. Ah. Salut Philippe. Ça va où tu te cachais, espèce d'enfoiré. Voilà, exactement. Donc tu tombes sur Philippe Sters. Et là tu sens que l'ambiance devient glaciale. Glaciale, ah, bah, d'un coup. Puisqu'il t'a vu. Il m'a vu. Il t'a vu, mais il a un doute, il vient d'entendre un truc tomber. Il a un doute. Il sait pas de quel côté aller. Un truc très lourd. Le nain la dernière fois ou... C'est à Clay. Clay, s'il te plaît, que fais-tu ? Plus c'est lourd, mieux c'est. Je vais essayer de finir le combat. Alors où, tu entends un bruit très lourd qui doit être vers la salle principale ou un truc comme ça. Ok. Je sais pas. Ça change rien au fait que du coup il y a toujours un zombard sur moi. Que je vais essayer de purger par le bâton. Écoute, vas-y, jet d'attaque, hein, je t'en prie. Attends, je crois que j'ai 6 pour toucher. Bon, non, normalement ça doit toucher. 1, 2, 3. Bon. Je pense que ça touche, j'imagine. Face à un échec critique, ça touche même très bien, monsieur. Tu peux te rajouter un dé de dégâts supplémentaires. Et bah, c'est parfait. Bah, du coup, bah, je reste à 6 alors. Hop. Et il va te faire, il va se faire quand même une défense. Roll. 1, 2, putain. Et 2 armures. Ouais, 3 même. Tu fais combien là? C'est ce qui m'intéresse. Deux crânes. Ok, bon bah il a l'air de se défendre vite fait un peu quand même. Bon, t'arrives à le taper un peu par là, par-ci par-là, mais ça concrétise pas quoi. Hein. Ok, bah je vais le retaper du coup. Pas l'essai. Vas-y, c'est parti. Donc là directement dans la défense sans le bonus. J'enlève coup. Ok. Exactement. Un peu de réussite peut-être. Eh bah non. Non. Zéro. Okay. Donc tu tapes et tu lui fais rien quoi. Tu te dis mais quel est donc cet adversaire incroyable qui semble encore plus dangereux que les squelettes que me décrivait le nain. Et oui. Cet adversaire redoutable. Tu te dis que bien ficeler la tête à l'envers, il ferait un punching ball d'entraînement incroyable. C'est un squelette mais avec un peu de peau voilà. Avec un peu de viande dessus quoi. Enfin, voilà c'est ça. Ça sent pas frais quand même. Faut l'aérer un peu. C'est à Aldaron. Yes. Écoute, je vais repartir en arrière. Ok. Tu vois toujours l'autre se battre avec son zombard. Aide-moi, alors. Mais j'ai rien pour t'aider, je vais pas. Ouais, non, j'ai rien. Ça, ouais, non, c'est pas utile, franchement. En fait, si je claque des heures sur ça, c'est vraiment débile, tu vois. Non, je vais. Est-ce que je peux repartir escalader? Oui, tu peux. Et vu que t'es en situation de combat, je vais quand même te redemander un jet de dé, s'il te plaît. C'est ça. Je regarde le vieux passer devant moi sans m'aider, et là. Ouais, mais le nain, il est plus en place que toi. Ça passe. Oh, okay. Non mais Metagaming, tu sais pas qu'il est en détresse. Tu es frappé de la même chose, de la même stupeur en apercevant. Yes. Ses deux yeux rouges. Non, il a joué à deux personnes ou. C'est bon, je peux rien faire d'autre, je crois. Bah c'est à Asgal. Donc Asgal, ouais, tu vois cette créature et. Je t'offre un jet de diagnostic. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau parce que tu l'as déjà croisé. C'est mon cadeau à la communauté. C'est mon cadeau. Donc un jet de diagnostic. Tente le beau jeu. Je tente le beau jeu au prochain tour. Non, ça ne passe pas. Par contre, en dur, c'est un guerrier. Incroyable. Un mec déter. Un mec miné. Ça, je le savais déjà. Okay, super. Voilà, voilà. J'en profite. Je profite. Est-ce qu'il me regarde? Bah, il t'a vu en tout cas. Il m'a vu. Mais du coup, il me regarde pas. Bah non, puisqu'il vient d'entendre un énorme boom.
J'en profite pour mettre Yaki à l'abri. D'accord, tu le fais. Ok, donc ouais. Tu laisses du coup une armure du chaos par terre. Ouais, tu pourrais l'indiquer ou quoi? Ouais, elle est là. Elle est là où il y avait Yaki. T'embête pas. Ah, ok. Donc, je mets Yaki ici, ça te consomme tout ton tour. D'accord, mais je peux pas me mettre là derrière? Là, tu te déplaces pour moi de la moitié de ton mouvement, tu fais 1, 2, 3, 4 cases, tu vas pas plus loin. Ok, ok, ok. Bon bah quand même, il y a quand même un bon toutou à bout de bras. Ok. Formidable, c'est à Aziel. Oui. Du coup, vu le vacarme que j'ai fait, je vais regarder. À part cette porte là, il y a des chemins ici ou ici. Tu me fais un jet d'observation s'il te plaît. Ouais, un observation. Je crois que j'ai pas beaucoup d'observation. C'est vrai que c'est un peu louche, une vieille armoire avec juste un piège. C'est pas lui, hein, c'est le jeu. Et puis, elle est bon, pas tu me le fais ton jet d'ops là? Ouais, excuse-moi. Vigilance. Ah. Bon, ok. Tu penses qu'il y a quelque chose derrière le buffet? Est-ce que je peux regarder du coup en détail? Chercher après. Je te reprends un petit peu. Tu me refais un jet d'observation avec avantage. Il a quand même oublié qu'il y avait une grosse. Bon, j'ai rien dit. Elle ne sait pas qui est sorti le monde. C'est une réussite. Ok. Merci. Il y a un passage secret ici. Bah, est-ce que je peux regarder à travers ce passage non, secret? Non, c'est la fin de ton tour, monsieur. Trop longtemps que tu cherches. Ah oui, c'est cherches. Vrai. Oui. Regardez. Des actions, simple. Très bien. Eh bah écoutez, c'est à Monseigneur du Chaos, puisque personne ne veut s'en occuper. Il va s'occuper de vous. Zblu, bonjour le nain. Salut. Ça faisait longtemps. Ça non. Va, mon gars? Non. Est-ce que ça roucoule? Excusez-moi, je cherche le seigneur du chaos. Je trouve ça tout de suite. Paf. Voilà, il est là. Magnifique, comme il est beau. Comme il est beau. Alors, oui, vous êtes face-face. Vous êtes face-face. Ça risque de malheureusement très mal tourner pour toi. Très très mauvaise idée. Tac, c'est parti. C'est parti. Hop, j'enlève ça. Adieu. Esquive, monsieur, il faut faire 5. Ah, mais je les ferai jamais, hein. Très bien. Eh bien, face à ta défense, alors. Tu peux toujours tenter de faire une réussite critique, ceci dit, qui réduira toujours éventuellement les dégâts. Hein. C'est toujours ça de. C'est la réussite critique. Bravo, monsieur. Donc tu réduiras, tu pourras réduire éventuellement les dégâts subis de 1 quand je te les annoncerai. Ah oui. C'est déjà ça. Chance. Quelle chance incroyable. Ouais, vu qu'il va le one shot, bon. De toute façon non, sur 27D il y a alors, pas de chance. Alors tu peux faire ton jet de défense monsieur. Je crois que les petits ils avaient 11D alors lui. 5, 6, 7 dégâts. Et j'en arrête 1 donc 2 TTC. Donc tu prends 5. T'es frais ou pas? 5, ouais. Là, je suis moyen frais, tu vois. Genre, il m'en reste 6. Je me sens comme une chasseresse, si tu veux. Si tu veux tout savoir. D'accord, très bien. Ok, très il bien. Il a tapé à 5? Allô? Ouais, j'ai amorti 2 dégâts, en fait. Ok. Très bien. Donc, c'est à Clay. Moi j'en ai marre, lui j'arrive pas à le toucher, je le tuerai jamais, donc je me barre. Hein. Tu te barres. J'ai des scalas tout ça, tu connais. Ok, donc t'as de la chance, les zombies n'ont pas d'attaque d'opportunité. Ouais ouais, de toute façon j'aurais esquivé. Putain, vous êtes obligé de faire les goliots avec le matos. Mais j'ai pas fait exprès. Touche à rien, touche à ton penny. Merci. Non, moi qui veux. Le penny. À ton pounce et ne touche plus jamais à rien, merci. Donc tu fais ton jet d'acrobatie s'il te plaît. Ouais alors du coup pas d'escalade. Acrobatie d'escalade. C'est deux hein. C'est toujours deux ouais. Un dé blanc, de toute façon ça change rien, c'est MD non?
Les dés blancs, merci. Ok. C'est un échec. C'est un échec, donc tu termines de l'autre côté et tu vois effectivement cette créature maléfique. C'est un Aldaron. Et c'est ça, je suis un petit encore. Ah bon? Aldaron. Alors là, j'hésite. Faut pas hésiter longtemps. Bon, je vais faire vision du futur. Qui fait? Qui permet de à tout le groupe d'aventuriers de relancer tous les dés de leur choix jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ah ouais. Que voilà, que je vais faire le test du coup ou pas? Oui. Oui, tu me fais un jet de coordination. Tu me fais simplement une réussite et ça ira. C'est bon, shit. Ça passe. Ok, je vais enchaîner avec une. C'est des dés d'attaque. Fuite. Hein. C'est des dés colorés. Quand tu fais ça, c'est des dés d'attaque, donc c'est le crâne qui compte et pas le dé de défense. D'accord. Voilà. Peut pas lui refaire une folie. Tout à l'heure, ça a pas fonctionné. Très, j'ai pas tenté. C'est pas le même. Non, mec, Je vais tenter une fuite. Est-ce que ça m'autorise vraiment à me téléporter vraiment random? Attends. Oui. Attends. Les gars, je tente le beau jeu. Je me déplore random dans une salle. Mais non, mais ça c'est pas le beau jeu ça! Si, c'est le beau jeu! Tu te téléportes, donc tu. C'est le suicide ça! Alors par contre, les gars, ça va être du pif! Bah ouais! En vrai, je vais pas prendre une salle trop extérieure parce que sinon j'aurais du mal à venir vers vous. Tu te places où tu veux? En fait, ça peut pas bien. Bien se finir, toi. Tu te places où tu veux? Ah, je sais pas! Dépêche-toi, sinon c'est moi qui te place dans. Ok, ok, vas-y, 3. Elle est là. Mais t'es plutôt là. Très bien. Parce que là au moins je peux sortir, j'ai un problème. C'est beau le soutien, c'est très très beau le soutien. Allez hop. Très bien. D'alchimie. Eh bien c'est les gars, l'exploration c'est pour plus tard. Hein. C'est grave, mais attends, mais... Asgal, bon bah allez hop là. Asgal, c'est On va... Là c'est plus le moment de fuir. Bah ouais, là c'est le moment de la bagarre. Alors bah, vas-y, bagarre. Bagarre à la fou. Moi j'y crois pas trop, hein, mais. Monsieur le MJ, au niveau de vision du futur, le groupe peut relancer les dés de leur choix jusqu'à la fin de ressources. Ça marche comment du coup? Sur un seul jet. C'est relancer tous les dés ou un seul dé? Ça sera tous les dés sur un seul jet. Enfin, tous les dés qui voudront relancer sur un seul jet. Pfiou. Ok. Je vous mets une vision du futur, c'est stylé. Que t'es jeune, là. Oh, ouais. Je pense que je vais le relancer. Hein. Allez-y, tentez des trucs. De quoi? T'as fait quoi? Je vais le relancer. J'ai fait un crâne. Ok, vas-y, relance. En vrai, c'est mon sort le plus puissant actuellement, vision du futur, les gars. Ah ouais? Ok, tu échoues sur ta première attaque. Genre la folie, c'était quand même pas mal hein, comme ça. Hein, Non, mais tout à l'heure, il m'a renvoyé ma folie dans la tronche. Donc, maintenant, tu l'attaques au corps à corps. Ah ouais, mais t'as que ça qui est vraiment efficace. Allô donc. Allô ouais, non, mais j'entends rien. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser l'action se dérouler? Donc maintenant tu passes en. Non, tu te calmes, tu passes en mode dégâts. Il a utilisé sa première esquive, monsieur. Ah, pardon, j'ai pas fait attention. Je l'entendais pas, excuse-moi. Ok, je passe en mode dégâts. 4 et 5 et 7. Contre son armure. Alors. Lui déjà je le garde pas. Donc ce qui fait que je fais 4. 4 crânes. Tu fais 4 crânes. Bah très bien, écoute, tu lui colles 4 dégâts. Donc quand tu l'as en face de toi, premier tour, tu sais pas trop, tu te danses un peu autour, t'essayes de pas prendre un coup, puis tu calcules quand même à un moment donné dans sa grosse armure noire, il y a déjà un trou mais béant dedans. Mais genre béant. Ok. Ah c'est mon. Et là tu prends ta hachette et flac, tu mets un coup dedans et le truc plaf s'effondre, s'affaisse sur lui-même et tombe en morceaux et il meurt. Non. Dans d'autres. Non c'est vrai. C'est vrai. Sérieux? Oui c'est vrai. Ouais, les gars. Pour remercier mon cobaye qui est mort en vain. Là faut aller rechercher son noyau. Son stuff ouais. D'ailleurs est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, il meurt dans notre souffrance, il fond,
Directement ou juste il s'écroule? Il s'écroule et il fond. Oh là 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 là. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on entreaperçoit comme pour les autres? Il y a une pierre, exactement. Mais elle n'est moi pas... je parle juste voir le nain s'il va bien. J'ai pas fini de parler. Elle n'est pas rougeoyante comme les autres, elle est noire. Je vais laisser ça au moine. Parce que le moine il s'y connaît mieux que moi en truc chelou donc. Bien. Tu es hors combat. En zombie ça s'est escaladé. Oh ça se débrouille visiblement. Ça bricole de temps en temps. Étonnant. Donc il arrive juste là lui hein, par contre. Hein. Il va pas plus loin. De ma vision de vue. Sur les c'est, hein, un peu, c'est un peu galère. C'est à toi à la base Aziel. Ouais bah du coup là. Bah, du coup, est-ce que je peux voir à travers le passage? Tout à fait. Tu me fais un jet de contorsion. Ah, ma compétence rôdeur qui me permet de voir un truc là. Ok, dans c'est... tous les cas, je te demande de faire un jet de contorsion si tu souhaites passer. Merci. Ah oui, effectivement, tu vas vouloir passer là. C'est possible. C'est quoi du coup contorsion secret? Oh! C'est dans quoi? Dans. Agilité, c'est donc 2. Donc, tu lances 2, le cœur 2. Ah, oh, ça pue le passage secret dans le coffre de la salle de tout à l'heure alors. J'ai fait ça. Bouclier crâne. Attendez deux secondes, je suis en train de regarder un truc. Ah, c'est vrai que moi et le. Oui. Moi et le nain, on a des compétences pour les coffres. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais, excuse-moi, Zé ouais, ah, du coup, je suis passé vu que j'ai lancé mes deux dés. Je réussis à passer. Ok, bah tu passes et tu viens de marcher sur un bout de papier. Que dit ce bout de papier? C'est un parchemin. Enfin, ça a l'air d'être... Wifi. Ça a l'air d'être un rouleau de parchemin dans lequel il y a une lettre écrite dans une ancienne langue. Tu parles quoi toi comme langue? Est-ce que tu peux me dire? Je parle le latin. Les marchands. Le Loucheben et le. D'accord, ok. Très bien. Ce n'est dans aucune langue que tu connaisses. Ben, je vais juste le garder sur moi. Je vais attendre. Mais ça pourrait ressembler à du commun. C'est un bout de tissu, je vais le garder. Enfin, c'est un bout de papier donc. Je pense que je peux le prendre sur moi sans le voir. Oui, tout à fait. Bon, ça pèse énormément. Alors que, en fait, si ça t'encombre quand même, parce que. Dans le soutif. Parce que c'est un grand rouleau. Hein. C'est genre le truc fait. Enfin, le parchemin, la peau qui l'enveloppe, parce qu'en fait, il y a une lettre dans la peau, doit faire quelque chose comme 50 cm de large. Ouais, mais je peux et c'est enroulé et c'est assez long. C'est assez volumineux, quoi. Glisser là pour le moment, je pense. D'accord. Si je suis passé là, je pense que le rouleau peut passer. Oui, oui, tout à fait, bah c'est souple après, hein. C'est pas le problème. Après, je sais qu'ils ont des compétences pour les coffres, je le sais. Mais pas mon Bertrand, lui va pas dire tiens, faut pas que j'ouvre les coffres parce que c'est vrai qu'un mec de l'équipe, je crois, est compétent. Ah, bah, surtout qu'ils te l'ont répété genre 6 fois quoi, donc. En tout cas, non, enfin, sans aller jusque là, tu sais très bien que par contre les nains savent désamorcer les pièges de coffres. Ouais, je vais pas l'ouvrir alors, mais je sais qu'il y a un coffre ici. Quoi. Très bien. Mais du coup, ça m'a servi pas à grand chose de passer. Ok. Bah, on sait qu'il y a un coffre. C'est déjà pas mal. Ouais. Tu mais sais qu'il y a un coffre pour l'instant. En voyant à travers la serrure. Pour l'instant, tu es là. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, du coup, c'est rien. Je vais juste repasser. Je vais aller. Ok, très bien. Je te fais pas refaire de jet. Tu repasses de l'autre côté. Je connais le passage. Voilà. Ah, voilà. Pas de soucis. Très bien. C'est donc au moine. Ok, j'ai peut-être pour la souillure sur le cadavre du grand seigneur sombre. Voilà, voilà. Tu fais. Tu ouais, pour voir si. Alors, si je touche, si je vais pas me choper une méga malédiction sur la main. Que bon, comme c'est un puits à souillure, bah, je me dis que peut-être ce serait malvenu de toucher directement. Ou peut-être que c'est parti, donc j'aimerais juste voir si c'est bon ou pas. Tu veux toucher quoi son,
son armure ou le cristal, c'est quoi que tu veux comme renseignement? J'aimerais voir si déjà je perçois la souillure dans tout le cadavre. Comme quand j'avais vu pour le bout de bois qui était souillé dans la main du nain. Vas-y, fais ton jet. Avec avantage. Du coup, c'est 4D je crois. Attends, je vérifie. Connaissance 2, souillure 2. Ok. Avantage, ça marche comment? C'est-à-dire c'est que tant que tu fais pas de bouclier noir, c'est une réussite. Ok. Très bien. Trois crânes. Ça pue la souillure. Tu n'oses même pas toucher sa pierre avec, avec ta main. Son armure émane un pouvoir sombre et corrupteur. Plus vite tu vas la détruire, moins il y a de chances qu'elle corrompe autour d'elle. Et une aspiration subite et instantanée qui te... Ton instinct te recommande de le balancer dans le puits. Clairement. C'est une bonne idée, ouais, j'avoue. Mais elle après, il y a un démon, démon qui est sorti de ce puits, est-ce que c'est une bonne idée? Il y a un truc là, pas un démon, mais un monstre là, qui est sorti comme ça, en mode coucou. Est-ce que c'est une bonne idée d'écouter ce que les MJ... Non mais toi tu sais pas, déjà je te parle pas, je parle à un autre joueur. Et déjà, si dans mes connaissances ça me dit ça, que ce soit vrai ou pas, dans tous les cas... Ça c'est instinctif, c'est quelque chose d'instinctif. Dans tous les cas, je vais attendre un peu, je vais demander... quand j'aurai apporté de vue le mage, qui me file un peu de mana. Que peut-être que si je peux la purifier, si... Je te file du mana, moi. Avec le jet que t'as fait, je peux te garantir que tu n'as absolument aucune chance de le purifier, puisque pour ça, ce n'est pas un être vivant, c'est un objet, premièrement. Deuxièmement, c'est de la pure magie noire, donc tu sais que rien qu'en la touchant, tu vas te corrompre. D'accord. Et je te rappelle que pour purifier quelqu'un, il faut que tu le touches. Donc. Si tu balances le truc là-dedans, ça va peut-être faire des pop tous les monstres qui sont pop, justement. Hein. Je sais pas, du coup, il n'y a pas quand même un truc à récupérer Tu voulais pas récupérer genre un cristal ou un truc du genre? Moi, je connais pas, hein, je te demande avant de le. D'accord. Ok, avec mon bâton, je le pousse dans. Tu le pousses dans le trou? Ouais. Ok, donc je te mets au bord du gouffre. Si c'était une mauvaise idée, c'est tant pis, c'était le destin. Hein. À ce moment-là, un monstre est encore en train de grimper. Ah, je balance à la gueule, c'est. Donc tu fais tomber le cadavre. Donc tu vois le truc tomber, etc. Le caillou sortir de l'armure, l'armure valdinguer dans tous les sens. L'hallebarde se planter dans un mur, le bouclier rebondir. Etc. Et dès que son caillou noir touche le fond, tu vois le magma noircir et le trou s'effondrer sur lui-même jusqu'à se refermer, ce qui finit de broyer ce connard. Vous avez gagné un connard gratuit. Let's go. La bonne XP. Ça va faire des pop plein de monstres. Les squelettes vont tous crever. Donc il reste un peu de magma, on voit vite fait un peu de magma au fond. Mais très peu, c'est en train tout simplement de. Tu touches à rien, merci. De résorber. C'est pas fini ça. Mais il va toucher à ton pénis, toi. Seul le pénitent le passe. Seul le pénitent le touche. Je touche le pénis du nain alors. D'accord. Ah oui, t'avais une vision du futur d'ailleurs, tu pouvais relancer tout ce que tu voulais. Mais la vision du futur est terminée. De toute façon, c'était bien, je. Très bien. Je t'avoue que je t'ai compté, je t'ai compté un bonus quand même. J'étais très sympa. Donc c'est ce que tu fais. Vu qu'il y a personne d'autre avec vous, le zombie te charge. Enfin, il te charge. Franchement, est-ce qu'il y a pas moyen que je lui fous un coup de bâton dans la nuque pour le faire tomber dans le vide là? Déjà, c'est lui qui va te mettre un mauvais coup. Oui, mais bon, genre je vais esquiver, on connaît la suite. On connaît la suite, j'ai dodge, voilà. Mais rien du tout, il va te défoncer ta race. Pas contre que non. Mec, il a 26 dés, il est plus fort que le boss. Attends, ça fait 8 tours que je me tape avec lui. Il me connaît, je le connais. Tu fais esquive. Vous avez changé de numéro, tout ça. Bah oui, mais oui. Ton jeu def, c'est avec des dés blancs. Je sais que je suis minable, je sais qu'il est minable, voilà. C'est l'histoire de minable. C'est ton histoire. Ils étaient dans la même classe, c'était des secpas. Voilà, clairement. Visiblement.
Donc quand il me dit qu'il va me niquer, bon, je sais que c'est faux, quoi. 1, 2, 3, 4, bon. Est-ce qu'il a fait mieux que ça? C'est bon, c'est bon. Il te touche pas. Très bien. Il ne te touche point. Okay. Je refais pas de deuxième attaque. Eh ben non, je peux pas, de toute façon, il vient de se déplacer. Je suis couillon. Eh oui. Ouais. C'est donc à Aldebaran. Aldebaran, non. Ou Asiel, sur la cellule d'alchimie, je vois quoi là. Vous êtes hors combat, donc celui qui veut joue en premier. Mais... sur la table d'alchimie, tu vois tout un monde peut faire comme il veut. Superbe parchemin. Oh, Kaoui, tu aimes les parchemins. Un parchemin émané d'une magie puissante. Sauvage. Aïe. Mais est-ce que la magie est noire? C'est un parchemin, je ramasse. Non, je déconne, il n'y a pas de parchemin. Il a déjà été consommé, ce parchemin. Calme-toi. Quoi? D'accord. Il n'y a pas un atelier d'alchimie qui coûte 1000 pièces d'or, normalement, gratuit? C'est ça qu'il a déjà été fouillé, donc bon, en soi... Ouais, mais qui ramasse des trucs d'alchimie Non, mais fouillez, hein. Fouillez. Non, mais ouais. Bon, attends, je vais peut-être déjà ouvrir le coffre. Un donjon ouais, qui a déjà été fouillé. Tu t'attends à quoi? Tu me prends 3 cartes, là. Hop. Vas-y. Donc, ça, c'est pour le coffre ou pour la table? Ça, c'est pour la table. S'il y a une potion, elle est pour toi. D'accord. Potion de vitesse, elle est pour toi. Alors, donc, tu peux te noter une potion de vitesse, s'il te plaît. Yes. Ok. Ça fait quoi la potion de vitesse? Ça triple déplacement. Pendant combien de temps d'ailleurs? C'est ok. Bah un tour, un seul tour. Ok. Donc. Et la table du coup, je vais la fouiller. De quoi? Pas le coffre plutôt? Tu peux également me faire un jet d'alchimie, connaissance alchimie s'il te plaît. Yes, parce que deux dés. Des blancs. Okay. Des blancs. Ah non, aussi des ouais, non, moi je suis en magie. Hop là! T'as deux en connaissance? Oh, t'es vraiment dans la cure de bidet. Ah non, j'ai trois. Je suis un connard. Attends, je relance un troisième dé si ça dérange pas. Non, j'en ai pas. Si j'en ai un. Hop. Et pique pas chez les autres là. T'as ta bourse de dés, c'est toi qui l'as placé en bas de ta feuille. Mais oui, mais non. Ah oui, c'est Golo. Bah si, c'est toi qui l'as placé. Crois-moi bien. Golo. Ok. Bon, connaissance d'alchimie. On refait tout le jet de dés, merci. Dépêche-toi, et tu nous fais plus perdre de temps. Jamais. Désolé, monsieur le MJ. J'ai perdu 2 dés, monsieur le MJ. En voici un. En voici deux. C'est réussi. Tu trouves deux flacons vierges, vides et en bon état. Juste gavés de poussière. Voilà. Mais globalement, t'as deux flacons d'eau. La virginité. Ok. Voilà. Et ben, du coup, the coffre. Tu ouvres le coffre. The chest. Merde, je me trompe tout le temps. Bon, c'est le moment, hein. Allez. Le moment de vérité. Je sais pas s'il y a des armes là-dedans. S'il y a un mimic, c'est incroyable. Alors, potion de résistance, vieux chiffon, maigre butin. Et B. Parmi tout le monde, elle vous permet de jeter deux fois plus de dés pour assurer votre défense. Pas mal. Et 25 ou 35 pièces d'or. C'est ça? Pas la folie, hein. Bah c'est toi qui choisis, tu prends quoi? Ah, je choisis. Oui, tu choisis. Bah la potion de résistance, alors. Potion de résistance. Vu que je suis en combat, je peux quand même sortir d'ici? Non, bah non, tu viens de fouiller deux trucs, t'as plus rien de droit de faire jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ma vie. C'est à Aziel. Bah du coup je vais essayer de escalader ce truc là et d'appeler le nain. En disant que j'ai un coffre mais qui pourrait être piégé, donc s'il pouvait venir ce serait sympathique. Non mais je sais pas si je t'entends là en fait. Je sais pas si je t'entends en fait. Bah s'il t'appelle de là c'est bon. Ah 16 mètres quand même, je sais pas. Hey, j'ai un coffre piégé. Surtout qu'il est pile en face de toi quand même. Ouais oui c'est vrai. De toute façon, mais en vrai tu peux hurler hein, t'avais déjà hurlé. Ah c'est vrai, Non j'avais pas hurlé, excuse-moi, t'avais déjà fait un boucan pas possible du tonnerre du feu de dieu. Je mets un jeton de recherche sur les loots qui ont été fouillés. D'accord. Ok. Rien de personnel, c'est pas que je vous aime pas mais... Ça évite de demander des trucs pour rien.
ça, le papier, j'ai dit que je le prenais ici, donc je l'ai sur moi. Yes, très bien. Genre, Très bien. Bah tu le notes dans ton inventaire. Je lui montre aussi le papier. Non, je lui montre en disant que je sais pas le lire. Et c'est ça, mais je sais pas le lire. On montre du coup le parchemin assez long. Tu l'ouvres, Maître Nain ? Tu fais quoi, Maître Nain ? Ah oui, non mais Maître Nain il est en combat, ok, d'accord. Donc très bien. Qu'est-ce que tu fais d'autre, Aziel ? Tu peux encore bouger si tu souhaites. Bah du coup je... Il porte un. Tue ce zombie, je t'en supplie, tue-le. Ah si. Ah oui, il y a un zombie là. Je peux pas le tuer, moi. Dessus, hein. Si je vois le zombie, je lui tirerai dessus, je pense. Excusez-moi. Du coup c'est... Je fais mes jets de... Pour savoir si tu touches ou pas, je suppose. Oui, tout à fait. Non, tu fais tes jets de dégâts, il peut pas esquiver. Okay, pour faire une esquive contre un arc, il faut en gros parade, il faut avoir un... Ah oh, merde, il y a encore un dégât tombé dedans, attends. Ah, tu peux pas lancer plus loin, c'est fatigant que vous fassiez les mêmes erreurs. Ouais, c'est blasant. C'est blasant du cul. Très bien. Deux boucliers noirs, deux crânes. Bah écoute, je fais sa défense. Bah ok, tu lui mets deux. Tu lui mets deux à ce zombie. Donc tu plantes une flèche dedans, bon bah c'est cool, t'as planté une flèche dedans. Il est invincible en fait. C'est un zombie. Ouais mais quand même, je sais pas, il y a un moment, il y a plus de tiers à un moment, tu sais. Ok, début du tour du zombie. Ah bah non, non il t'a déjà attaqué. Début du tour de Clay. C'est vrai qu'il t'attaque juste après toi. Et petit coup de bâton dans le dos, je le fais tomber dans le vide. Bah dans le dos, tu veux dire sur le flanc. Non, enfin oui, enfin je veux dire, hop là, au niveau là du bide là. Ok, attends, je regarde un peu sa tronche. Je t'enlève un dé pour ton action. Okay. Et tu le fais avec des avantages. 3, 4 et 5 à la place de 6 du coup. Et on fera face à son équilibre. J'ai fait donc, qu'un seul. Désavantage, je t'enlève. Hop, je t'enlève un dé. Des avantages. Donc tu fais une seule réussite. Ouais. Yes, très bien. Face à sa superbe et incroyable agilité. Allez, t'es un monstre. Bon. Au revoir, Rudy le zombie. Ok. Moi, je vais là. Si je peux. Maintenant je suis en combat. Oui, tout à fait, tu peux venir là. Ok. Je vais inspecter ce truc maudit. J'aimerais l'inspecter. Avant je vais faire un jet de souillure parce que je me dis qu'il était là il y a 15 secondes quand même. Sur ça là. Vas-y. Lance, je t'en prie. Ok. Sorcier. Heureusement qu'on a un prêtre. Hein. Deux défenses et deux crânes. Deux défenses et deux crânes. Oui, donc tu fais deux. C'est pas très sain, mais c'est pas souillé parce que ce n'est pas organique. Enfin, c'est pas vivant. Ah bah, hamdoulilah, hein. Bah, du coup, je vais lire. Tu peux fouiller. Ouais, très bien. Je lis. Bah, tu trouves un parchemin en draconique. Est-ce que tu parles le draconique ? Attends, je regarde. Je pense pas, hein. Non. Je lis. Non, donc on s'en fiche de ce que tu lis. C'est tu l'as ou tu l'as pas ? T'as draconique. Je lis Chétan, mais pas ça, non. Voilà. Prends-le. Et je t'ai dit qu'on s'en foutait de ce que tu lisais. Donc tu fais quoi ? Tu le prends ou tu le prends pas ? Bah, je le prends. Ok. Et rien d'autre ? Il y a rien d'autre. Ça marche. Petit jet de perception peut-être dans la zone. Vas-y. Observation, vigilance. Alors perception. Si tu poses la question, deux, c'est que t'as 2 dés. Hop. Très bien. Tu ne trouves rien. Il n'y a rien ici. Ça marche. Passe mon tour. Très bien. Aldaron. Je joue ou pas? Je joue quand? Tu joues jamais.
salaud. Ouais. Pourriture communiste. Merci. J'ai zappé ton tour précédent parce que pour moi, justement, je note ici dans les restes. On tu est... remets ton on armure. D'accord. Voilà, tu mets la deuxième. La deuxième hache. Deuxième armure. La deuxième armure. Et du coup, il y en a une là-bas aussi. Il y en a une où ? Là-bas, avec une pierre normalement. Bah ça te prendra encore un tour complet de plus. Mais pour ça qu'il y a. Non, mais du coup, je vais la laisser à clé. Donc si jamais je peux suivre, je vais voir Aziel. Oui. Il va au niveau du coffre du coup. Hein. Ok. Tac, je peux venir sans problème. Vas-y. Tu peux aller jusqu'au coffre. Ah, jusqu'au coffre, ok. Donc. Tu peux faire une autre action ? Oui, vas-y. Allez, c'est cadeau. Bon, du coup, si je peux détecter s'il y a un... Ouais, si jamais, merci. Si je peux détecter un piège. Le mimique. Bah ouais, tu me fais détection des pièges, monsieur. Alors, là, je suis à 3. Donc c'est vigilance piège. Ouais. Avec avantage, bien sûr, puisque tu es un nain. Évidemment. Du coup... Tu es avantage. Du coup, c'est réussi. Pour toi, il n'y a pas de piège. Ok, il n'y a pas de piège, donc ouais. Je vais l'ouvrir. Tu l'ouvres, très bien, tu l'ouvres. Un peu de réussite, s'il vous plaît. Pardon, excuse-moi. Je distribue les cartes, je suis un c'est vrai. Là, je le fais moi. Comment on fait pour retourner les bijoux ? Je te laisse CF pour les retourner. Terrible. Ah bah, je vais prendre les bijoux, tu vois, bizarrement. Tu vas prendre 50 pièces d'or ? Tu trouves 50 mais c'est d'or nul. En bijoux. 50 pièces alors, non, c'est pas 50 pièces d'or, c'est 50 pièces d'or en bijoux. Ouais, 50 pièces d'or en bijoux, d'accord. Ça a son importance, certains diraient. Faut aller vendre. J'espère que Aldaron a fait pareil quand il a ramassé son pognon. Il a bien marqué que c'était en bijoux. Tu m'as donné des lingots Ah oui, je t'ai donné des lingots. Il faut que tu les marques en pierre précieuse. Ou je te les donne en lingots. Non, je te les ai donnés en lingots, c'est aussi bien. Je te les ai donnés en lingots, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai dit papy bling bling, avec plein de chaînes en or et tout. Qu'est-ce que tu lances là ? C'est quoi tout ce bordel de dés là ? Si, il a du mal à se traîner après. C'est quoi ce bordel de dés là ? Qu'est-ce que tu lances là ? C'est pas moi. Okay. Non, moi je veux faire un. Encore une fuite vers la petite brèche qu'on avait trouvée au tout début. Ok, tu reclaques un mana. Ici ? Ok. Il va falloir choisir pour mon mana. C'est ici, un peu hein ? Ok, ça réussit. Je peux ? Quelle brèche ? Ça réussit. Difficilement parce que tu ne connais pas la zone, donc méfie-toi. Tu te retrouves ici avec un bras coincé dans le mur que tu arrives à extraire avec sans trop de difficulté, mais à quelque chose près, tu te coinces dedans. Méfiance de se téléporter dans des endroits qu'on ne connaît pas. Ouais, oh le mauvais plan, putain. Je vais faire une clairvoyance. Savoir si ce sarcophage est ok tiers ou pas. Ok tiers. Ok tiers. Et deux crânes. C'est une. Si avantage, oui, sinon non. Deux crânes, non, mais c'est réussi. C'est une réussite critique, même d'ailleurs, monsieur. Parce que c'est ça qu'il faut me dire. C'est une réussite critique. Tu arrives habituellement juste à détecter s'il y a un monstre ou pas dedans. La chose c'est que non seulement tu vois qu'il n'y a rien dedans, mais tu vois qu'il y a quelqu'un qui devrait être dedans. D'accord. Mais il n'est pas dans la pièce. Alors, voilà. Si tu veux prendre plus d'informations sur cette tombe, tu peux. Bah écoute, oui. Très bien. Je peux lire ce qu'il y a écrit dessus, peut-être l'entrouvrir. Qu'est-ce que tu parles comme... Non, qu'est-ce que tu ne dis rien. Je vérifie ce que tu parles. C'est incompréhensible pour toi. Tu n'arrives pas à lire ce qui est écrit dessus. La petite idée. Je vais l'entrouvrir pour voir si... Pas des restants de loot. Tu entrouvres ce sarcophage. Ah, attends, j'avais plein de skins de sarcophage. Oh, c'est trop rigolo, ouais. C'est des barres. Ah, des barres. Bon, bref. Ah, des barres. Ok, tu l'ouvres. Donc, tu l'entrouvres. Yes. Bah, c'est parti. Hein. Emmerderman. Allez. Voilà. Fameuse potion de vitesse. Le piège, il est bien. Hein.
Putain, le piège, il... J'aime bien, hein. 50 pièces d'or ou la potion, je sais C'est toi qui décide. La potion. Non, c'est toi qui décide, il y a que toi, ici. D'accord. Ah, j'hésite. Donc, le piège. Ouais, je prends la potion, je vais pas être avare. Pas besoin d'être avare, je prends la potion. Aziel, c'est à toi. Pas de piège. Bah du coup, je montre au Na où est-ce que je laisse ce parchemin-là, où étaient les trois congrès, quoi. Et je vais descendre le truc et passer par la porte. Pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ce couloir. Merde, bah, je suis sur la porte. Visiblement, il n'y a rien. Bon, je vais vous rejoindre pour distribuer. Il n'y a pas de porte ici. Il y a une porte là. Je vais avancer. Il fait où là? Attends. Je me vois plus. Normalement, je peux te révéler la porte. Deux secondes. Voilà. Normalement, tu vois la porte. Moi, je ne vois plus mon personnage. Oui, il est là. On peut pas plutôt tous avancer genre en même temps parce que attendre son tour, franchement, c'est long. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a qu'un seul MJ. Il y a 4 joueurs, mais il y a qu'un seul MJ. Et au pire, genre, vous voulez pas qu'on soit tous packés en même temps, comme ça, genre, c'est vite d'attendre 3 ans. Mais c'est ça, en fait, parce que là, vous êtes tous en mode je fouille le donjon, il y a plus de Ouais. Du coup, vous me cassez tous les noix, et puis voilà, en fait. Mais... Au pire, venez, on se retrouve tous ici. On se pack tous là, ouais, parce que là, c'est chiant. Dans la salle principale. On peut passer un tour complet et on se retrouve. Ouais, ok, donc vous retrouvez tous au centre, ça sera très bien, sauf un petite difficulté, va falloir ouvrir au mage qui est enfermé là-dedans. Ah d'accord. Oui, c'est vrai. À moins qu'il claque un mana pour sortir. TP en... Ouais bon. Non, c'est bon, tu arrêtes avec tes TP, t'as plus de mana. Bah il me restera un mana quoi, donc s'il y a des emmerdes... Tu sais, c'est toi qui décides, tu te TP ou t'attends de l'aide? Je vais attendre de l'aide. Très bien. Qui défonce ma ça patience, qui défonce le si j'entends du bruit, moi, sinon si j'entends rien, que dalle. Voilà, si une fois que vous êtes là, vous êtes là. Ah merde, je suis en train de toucher son token. Oui, t'es en train de tripoter son token. Tu tripotes son token. Et je croyais que c'était le mien depuis tout à l'heure. Et un chasseur parce qu'on s'emmerde, voilà. Cool. Ouais, bah du coup, est-ce qu'on l'entend crier au moins? Si j'entends, je demande de l'aide, on va essayer de déblayer, la merde. Donc tu essayes de déventrer le truc? Ouais, avec de l'aide du coup, parce que je vais pas faire ça solo. Avec de l'aide. Moi je me cache un peu le visage. En plus j'ai deux de force, et c'est cool. Vous éventrez ça, vous faites quoi? Ouais, je vais déblayer ça, ouais. Ok, tu déblayes ça. Abadu. Abadu. Clairement, ouais. Comme un beau gosse. Ok, qui te file un coup de main? Ascal. Ok, très bien. Tu fais ça avec avantage. Me fais un jet de force, s'il te plaît. Yes. J'ai 4D, c'est cool. 2 crânes, 1 défense. Ah d'accord, c'est ce jet-là, ok. D'accord. Très bien, ok. Tu éventres le mur, et effectivement, donc vous libérez Aldaron. Pas de problème. Très bien. Et bah bravo Ah, écoutez les amis, je suis désolé, j'ai eu quelques petits soucis. Néanmoins, j'ai une bonne nouvelle. Du coup, disons qu'on s'est recoupé. Du coup, attends, j'avance Aziel. Du coup, je vous donne tous un lingot d'or. Ah ouais, tiens, généreux, papy. Hein. Tiens. Merci beaucoup, mon cher ami. Je vais donner une potion de vitesse à qui d'ailleurs? Qui veut une potion de vitesse? Si je le vois arriver, Au pire, on fera la distribution après. Tu le vois arriver. Ouais, j'ai que ça, tranquille. Ah. Ok, je vais juste faire face pour. Bah tiens, tu me veux le nain, poisson de vitesse. Ok, bon, bah merci. Bah écoute, bon, voilà. Je préviens tout le monde. Un orc. Ou quelque chose Clay. J'ai une question. Est-ce que Clay, il a fait la... Ok, la... je répète, un orc derrière nous. Ok, pardon. Yes, rapidement, du coup, Clay, tiens, je te file un autre lingot d'or. Ok, attends. Je répète une troisième fois, il y a un orc qui va nous tuer. Non, je te donne un lingot d'or. Non, mais en fait, au moins tu me fileras ton parchemin draconique. Tu prends le lingot d'or qu'on te tend ou pas? Bah, si. Si me le tend, je le prends. Ok, très bien. Tu perds l'initiative. Merci, ok, c'est pas grave. De toute façon, moi je suis un tank. T'as gagné un lingot d'or, mec. C'est bon. Non, mais de toute façon, moi je compte pas vraiment le taper, hein, donc bon, allez. Et moi, même, est-ce qu'il n'y aurait pas une action qui consiste juste à défendre pour avoir peut-être un bonus de def? Non. L'initiative, ça vaut... Est-ce que je...
Genre, il faut faire des jets pour la être deuxième. La seule chose que si tu me dis je suis sur mes gardes et je m'apprête à défendre, je peux t'accorder dans ces cas-là une défense avec avantage. D'accord. Ce qui n'est pas dégueulasse. Donc il t'attaque, c'est parti. C'est parti pour le duel. On part sur 16 dés. Ah, allô ? 2, 3, 4. J'ai pas bien entendu. 16 dés ? Ouais, c'est un Fimir. Il faut que tu me fasses une défense à 4. Monsieur. C'est quoi un Fimir ? À 4 dés, il faut que tu fasses une réussite critique. Encore ? Non, mais attends, non, mais c'est quoi ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes-là, mais dans ce donjon, hein ? Ah non, mais excuse-moi, attends. 3. Non, non, il faut pas que tu fasses 3, une réussite critique, c'est vrai qu'il ne garde que 3 dés, excuse-moi. Il faut que tu réussisses 8. Une défense à 3. 3, c'est dur, mais c'est possible. 1, 2, 3, et c'est bon. 1, 2, 3, et c'est bon. Ok, donc tu encaisses une première attaque assez conséquente. Quand même, hein. Ah ouais. C'est pas le seigneur machin, mais quand même. Franchement, quand même, c'est balèze. On est quand même sur du monstre qui est un peu énervé. Hein. Ouais. Et arrive une terreur à ce moment-là, le monstre profond. Vous croyez que c'était le seigneur des chaos qui était un petit peu fatigué, le monstre final ? Eh ben non, c'est Chibibouï ! Chibibouï ! C'est moi le boss du donjon ! Il y a Chibibouï qui arrive. Pourquoi vous m'avez buté Chibibouï ? Touchez pas à Chibibouï. Vous arrêtez de toucher Chibibouï. Tu touches plus ! Eh mais il m'énerve lui, hein. Je le kick. Hein. J'ai rien fait. Je le banne. Touche plus jamais Chibibouï. La technique qui va consister à lancer tous les persos dans le vide. Ouais, je sais pas si t'as eu le Fimir, tu peux en fait. Les deux persos, c'est chiant du coup. Bah pourquoi pas. Est-ce que je peux agir du coup en deuxième ou pas? Vous agissez dans l'ordre que vous voulez, je m'en fous en fait. Allez, non, tapez, c'est parti les gars, allez-y. Du coup, j'utilise mes deux derniers manas restants. Hein. Qui joue en premier, qui joue en deuxième, qui joue en troisième, qui joue en quatrième? En deuxième, c'est. C'est Ard. Ah oui, là on démarre un tour là. Aldaron, ouais. Moi, toujours en troisième. Donc Clay, Aldaron, Aziel et Asgal. Ok. C'est parti. Yu-Gi-Oh, ouais. À vous de jouer. Du coup, je vais lancer une vision du futur. Une nouvelle fois. J'espère que tu comptes toujours tes flèches, toi, au fait. Hein. Ah ? J'espère que tu comptes toujours tes flèches. Hein. Bah, j'avais récupéré toutes mes flèches, j'en ai pas tiré. Okay. Est-ce que tu peux mettre un loot ici, s'il te plaît, avec Nerfon ? Ouais, c'est vrai que le loot de Vladimir s'est fait tuer. Ouais. Donc, vision du futur. Zombar, c'est ça ? Non, dire-moi ça, non. C'est quoi ? C'est la vision du futur. Sur un mec du chaos là qui était mort ici, là. Ouais, mais tué par le seigneur. Non, le chaotique il est déjà là. Il est déjà rangé là. Non, du coup, il y en a une autre. Il y en avait deux. Là. Plus un troisième là. Non, c'est bon. Avec lui, il en a déjà rangé deux. Donc ça, c'est le reste, ça c'est le zombie. Reste du zombie. Je vais faire, pour mon dernier mana, je peux me déplacer, je vais faire fil paralysant sur Fimir. Donc j'ai plus de mana les gars, donc j'ai la chef. C'est quoi le deuxième sort? C'est quoi? Fil paralysant. Et ça fait? Bah, deux crânes, c'est réussi, non? Cool, effet du sort, connard. Ah, ça, alors, vous lancez l'auto à des fils pendant sur la cible de votre choix qui perd son prochain tour pour s'en défaire et ne plus se défendre. Et sans la barbe, en articulant? Il perd son prochain tour et il ne peut pas se défendre. Très bien, magnifique. Et c'est donc pas deux crânes que tu fais, mais une réussite critique à deux crânes. Oui, pardon. Youpi. D'accord. Résistance à la magie donc de cet homme-là. Cette superbe créature à 28 dés. C'est un échec. C'est un échec. Échec. Donc tu l'as. Elle passe son prochain tour, c'est ça ? Ouais. Et il peut pas se défendre si on l'attaque. Ok. En ce tour-là. Donc on le voit faire. Lui poser sa hache par terre. Plein de fils. En mode erreur 404. Et je suis mon groupe. Je leur dis rapidement, je lève la main, je fais out of mana. Abort the mission. Ok. Tu sais que t'es pas tout à fait sans mana. Oui, je sais. Okay. Mais c'est pas un Ok. C'est donc à Aziel. Ouais. Du coup, bah, je pense que je vais
Voilà, je vais tirer des flèches. Ah, mais il y a lui aussi. Parce que moi, je n'avais pas vu exactement lui. Bon, je vais s'en foutre, ça serait un peu comme une balle. Je vais attaquer comme ça, à l'arc, je crois. Hein. Du coup, bah, je fais mes dégâts tout de suite, vu qu'il ne peut pas défendre. Et je fais 3 crânes et un bouclier. Ok, je vais quand même te demander néanmoins de me faire un tir avec 2 réussites dedans parce que l'angle est quand même un peu dangereux. L'angle est quand même un peu dangereux. Donc tu me fais un tir. Fais-moi un tir à l'arc. Ok. Et je te mets en difficulté 2. Donc je veux. C'est de l'attaque, c'est du dé d'attaque, pas du dé blanc. Ah, des attaques du oui. Mais je retiens ce que tu allais lancer, hein. Y a pas de souci. Arrête de faire ça, chaque fois tes dés ils rentrent dans ton sac. Tu peux pas les avancer un petit peu. J'ai la flemme. Donc t'as tes 2 réussites, voilà. Regarde. Hop là. Hop. Voilà. Ils restent là, ils sont très bien. Ce bordel à dés. Très bien. Oui, oui, oui. C'est très bien. Incroyable. Et sinon, t'as un bol là en fait. Hein. Sinon, t'as un bol. C'est incroyable. Ouais, mais... Pourquoi je me ferais chier à mettre des dés là-dedans puis là... Parce que chaque fois, t'es très loin à les sortir. Alors t'es tortue. Bah, hein. Ça a fini, je fais comme ça, hein. Donc, tu lui infliges des dégâts. Ouais, mais attends, par contre. Ah oui, non, il n'a même pas le droit de se défendre, hein, c'est ça. Hein. Non, pas le droit de se défendre le finir, non. Ouais, ok. Pouf. Pouf, 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 pouf. Et donc tu lui as infligé 3, c'est ça? 3, ouais. Ok, très bien. Ça marche. Suivant. Suivant. C'est donc, qui? C'est à moi. C'est à Asgalbaraz. Donc. Asgalbaraz. Alors. Du coup, je me déplace. Je me mets là. Très bien. Et d'un bon coup de faux. Un petit coup de faux là. Et est-ce qu'il peut esquiver? Non, il peut pas esquiver. Ah, il y a un allié qui te hurle quelque chose. Donc tu peux hurler ce. Bouge-le! Ah, bah si je peux. Un énorme chassé, putain. Si je peux, hein. Oui, si tu peux, par contre, faut te mettre là. Ah, oui. Mais tu peux. Je vais faire un Spartan. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, tu peux large. Bah du coup je fais mes dettes dégâts, c'est ça. Par contre il est assez gros, donc je veux que tu lui fasses En gilet même, hein. Profiter qu'il est immobilisé pour lui faire. Ah ouais, tu fais stun en plus, hein. Tu ah, me ouais, fais ouais, un jet de... attends c'est quoi? Bah tu me fais un jet d'athlétisme force. Tu me fais athlétisme force avec avantage. Athlétisme force. Du coup je te l'ai non, fait non mais en attends vert, t'as joué juste ton tour Clay. Oui, oui, mais là, donc tu peux pas les genre, je passe, je pousse mon prochain tour. Hein. Oui, bah vas-y, il peut pas réagir. Oui, ça genre, va, sinon, moi, je ferais une chose. C'est bon, avec avantage, s'il te plaît. En plus, j'ai ma vision du futur, les gars. Ah, ouais, en plus. Relance, s'il y a un problème. Du coup, hop là, athlétisme le plus fort. Non, mais c'est avec les dés d'attaque, hein, c'est pas avec les dés de défense. Hop là. Allez, okay, recommence ouais, quoi. Tu peux relancer. Ouais. Ouais, t'aurais pas pensé, c'était chiant. Ah, bah voilà, réussite critique. Réussite critique, ouais. Réussite critique. Gros bâtard, allez. Allez, amuse-toi bien. Donc, c'est la fin de votre tour. Et c'est le début de Wizzy. Il a joué, non? J'ai pas entendu. Il va chercher de l'aide, ce bâtard. Ah non. Il fuit. Après les gars. Ouais, vous savez pas. Mais il s'en va visiblement. Je parle à mon groupe, du coup, je leur dis mes amis, vous savez, on a complété entre guillemets notre quête. Est-ce que nous devrions grid entre guillemets? On pourrait très bien partir. Alors grid, le mot, les gens ne le comprennent pas. Ils parlent des mots chelous, alors, ouais. Le mage, hein, quand même. Ouais. Ils de la même école que le. Je il parle pas un peu trop draconique. Il vient du mot draconique qui veut dire bien sûr abusé ou d'autres choses. Alors... Ne prenons pas trop de risques, je dirais. C'est 100% qu'il y a encore du loot.
Moi je sais. Nous devrions peut-être reprendre des forces. Du loot aussi, vous avez compris. Bah c'est du draconique aussi, hein. C'est du draconique. Les gens ne pigent pas ce que tu dis, donc c'est très compliqué. Camarade, s'il vous plaît. J'ai une rancune à saisir, je sais exactement où est-ce, où est-ce qu'il pourrait y avoir du loot. Donc, autant vous me suivez. Ah oui, on pourrait y aller. Au passage, maître nain, il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de te dire. Oui. Tu as pu observer en ouvrant ce mur qu'il y a une tombe d'un de tes ancêtres. Ah Gramril. Le seigneur de cette forteresse. Puisque c'est une ancienne construction naine, début de construction naine en fait, qui n'a jamais été achevée et par lesquelles les humains ont reconstruit par-dessus. Et bref, ce seigneur a sa tombe ouverte. Non. Vous faites ce que vous voulez de l'information. Bonne soirée. Par mes aïeux. Est-ce que nous avons le butin du monsieur qu'on a fait tomber ici? Ou il est tombé avec lui? On a l'XP, mais on n'a pas le butin. Alors juste... Je demande, hein. Si Asgard veut absolument aller dans cette salle... Bon déjà, je sais pas comment on y rentre. Moi je sais. Donc je te le dis que je le sais. Je vais pas pouvoir trop vous aider. Attends, moi je sors le parchemin draconique de mon slip. Ah tiens, hop là. Ouais, tu pourras peut-être me le donner. J'ai de mémoire, maître nain. Ok. Et le parchemin draconique que me donne mon ami, il y a écrit quoi dessus, s'il te plaît, monsieur le MJ? J'ai réussi. C'est une réussite critique pour le nain, donc tu te souviens exactement où c'est, et tu n'oublieras sûrement jamais d'ailleurs. D'accord, ok. Tu as reçu le parchemin draconique. T'as reçu le parchemin draconique, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est le parchemin que j'avais trouvé. Ah, bah là, tu vas être content, ma gueule. C'est pas celui-là. Là, c'est celui de. Tu vas être content, ma petite gueule. Clay a ramassé. C'est lui que j'ai trouvé. Je suis prêt. Là, ma petite gueule, t'es vernis. Hein. Que lis-je? Poète, poète, poète. Ça. Oh, pardon. Voilà. Ça. D'accord. Alors. T'as gagné ça. Oh, de quoi il en retourne, messire l'archimage? Mes amis, c'est un rouleau de PV. Si j'utilise ce parchemin, oui, je pourrais nous faire récupérer des points de vie et des points de mana esprit. Enfin, je fais esprit. Oui, mana. Sympa ça. Sur des. Bah, non, je vais jouer RP. Voilà, je pourrais vous faire récupérer des points de vie et de l'esprit. Certes, en faible quantité, mais pour tout le monde. En fait, c'est... qu'une fois ou c'est un sort que vous c'est débloquez? C'est un parchemin. Le parchemin, c'est l'utilisation. Je peux te faire gagner des points de vie. T'entends quoi par points de vie? Je peux vous faire récupérer de la puissance vitale, mes chers compatriotes. D'accord, du coup... Moi, je fais vite fait un petit aller-retour pour récupérer le parchemin et le ramener. Hop là. Du matos ici. Est-ce que je peux aller inspecter ce qu'il y a là-bas? Genre, ne serait-ce que pour y aller, pour regarder si ce qui s'est passé, si je reconnais les inscriptions, la date de la mort, des choses comme ça. Oui, la date de la mort. Oula, c'est ancien. D'accord. C'est très ancien. Ça date de quoi? Peut-être. Dans les centaines premières années de l'arrivée des hommes. Ok. Ah oui, c'est okay. Ça date pas d'hier. Et je reconnais le nom de ma famille, c'est ça? Non, c'est pas le nom de ta famille. Quand je dis c'est un des tiens, je dis que c'est un des nains, puisque je sais que tu es très attaché aux nains. Et c'est un seigneur nain, le monsieur. Ok, donc du coup, le parchemin, je le tends, je demande à quelqu'un si quelqu'un sait le lire. C'est le parchemin qui était ici. Là. Ah bah, okay. Je suis pas... Est-ce que j'arrive à tout le monde? Ouais, j'ai. Et moi j'essaie de lire aussi. Je parle le casalide et l'elfique si ça peut aider. Oui, on s'en fout des langues que vous parlez. Vous allez arrêter de dire ouais, moi je parle ci, moi je parle ça, alors que vous connaissez pas, vous parlez pas depuis le début. Voilà. Ça me fait toujours marrer ça. Bah, mais de toute façon, je suis à l'autre bout du donjon, ouais, moi je parle ça. En mode RP, bon, là, moi je vois un parchemin. Là oui, je regarde, là, oui. Je vois le parchemin, je fais est-ce que. Quelqu'un qui lire ce truc de mort. Oui, y a pas de soucis. Le nain peut lire ce truc de mort. Parce que le nain ne pouvait pas lire l'entièreté du nom du propriétaire. Donc c'est la forteresse de... C'est la propriété de la forteresse
de Karaz. Non, c'est Karaz ou c'est Karak? Karak. Karak. De Karak Albarur. Et donc, c'est le nom du seigneur de la tombe qui était montré là. Et avec ça, on peut faire. Et qui, donc, suite à un assaut, donc c'est une lettre. Enfin, c'est un titre de propriété. Okay. Qui est égal. Non, mais vous allez me laisser finir de parler ou je t'en merde. J'attends que tu finisses, mais j'ai une petite question. Je le dis. Cool, bah tu la gardes. Je pensais que oui, bah tu, l'es, tu l'écris. Pardon, tu l'écris. Merci. Comme ça, Donc, c'est un titre de propriété qui s'accompagne également d'une lettre de. Pas de dernière volonté, mais voilà. C'est tout comme. Testament. Ouais, c'est un testamentaire. C'est une lettre testamentaire qui indique donc le chaos. Le chaos, c'est. Enfin, le chaos s'est emparé d'un de ses deux fils d'ailleurs. De ses deux fils et qui l'ont trahi. Donc aujourd'hui, combattre contre eux. Il espère les vaincre, mais que si jamais ils meurent. Et que sa tombe et sa forteresse sont retrouvées vidées de tout le mal. La Karaz Albarur reviendra à son sauveur. J'écoute ta question. Et les amis, je pense que nous allons rester ici. J'écoute ta question, Ichi. Je voulais dire, tu disais de RPW, ou arrêtez pas de dire à l'autre bout de donjon, je parle telle langue par exemple. Là, on est réunis, on peut très bien dire, ah ben moi je parle pas telle langue, je parle telle langue. Il faut suivre quand je parle, j'ai dit sauf là où vous pouviez enfin le faire en fait. Oui, voilà, mais genre. Ouais, ouais mais genre 15 minutes après, c'est tout date, mec. Donc, du coup, okay, bon. Franchement, purger ce donjon, moi je suis chaud. Oh, un rage kit. D'accord. Fort bien. Donc clairement la chasseresse s'oppose à votre tentative et souhaite repartir. Ok. Mais y a pas un PNJ qui la remplace. Parce que c'est compliqué. Hein. Vous ferez sans la chasseresse. Non mais vas-y. Le corps de son loup. Ah le corps de son loup. Bah oui je sais pas si vous l'avez ramené depuis. Non mais il est stabilisé. Il dort là. D'accord. Donc vous du avez. Coup, je peux devenir. Tu peux devenir son nouveau maître. Pardon, j'ai une roue qui a dérouillé. Ok, bah, donc du coup, quelqu'un va vite fait prendre ça et ça et mettre dans le pactage, hein. Et je confirme, c'est un rush kit. Ouais, d'accord. Bah oui, sans, sans blague. Pas de problème. Je pense qu'il est temps qu'il aille dormir. Du coup, on prend ça et ça, on fait un énorme pactage. Et franchement, soit on clean le reste, ça plus beaucoup de monde, je pense. Non, mais... S'il y en a, il y a des gens. Moi je dis, genre si je leur demande si elles peuvent. Si vous pouvez me suivre. Donc si on peut aller là-bas. Ah, mais ouais, franchement, mais t'as vu, mais la force de frappe qu'on a en vrai, c'est pas. J'aimerais bien prendre du repos. Ah oui, c'est vrai. Je t'avoue que j'ai pas de mana. Bon, j'ai un moyen de me rendre du mana, mais ça m'embêterait de le faire. Ok. Vous voyez que les ça, gars, vous voyez ça. On va utiliser la légendaire strat du gouffre de Helm. Ah, du coup, je suis toujours là normalement. Vous avez le temps de bouger un peu. Bah moi je vous préviens, je vous dis là... de fuir hein, les amis. Mais on est d'accord celle-ci... On a perdu une chasseresse en plus qui est en non, mais c'est non, mais mec, on va tous les pousser, ne t'inquiète pas, c'est easy. Pendant que vous réfléchissez, les gobelins avancent. Oui, ouais, les gobelins moi j'ai dit ce que je faisais. Non, mais c'est bon, moi, je m'avance au niveau du prêtre qui a l'air d'être déter. Ah oui, je suis chaud. Je m'adresse près de... Venez même à 5, moi je suis devant. Attends quoi ? Est-ce que je peux avoir la priorité ? Ah oui. Oui. Ils sont 5. Vous êtes là, vous pouvez vous avancer. On te laisse l'initiative. Moi je te la laisse. Vous pouvez vous avancer au corps à corps. Vous avez dit que vous barriez la route. Non. Moi je me mets là. Ici. Okay. Je me prépare, genre à les pousser dans le vide. D'accord. Okay. Je me mets. Placez-vous. Vous avez le droit de vous placer. Ouais, je suis là. Je suis bien. Par contre, mets-toi peut-être derrière moi ou. Ok, bon du coup je vais... T'es sûr que... Attends, excuse-moi de t'interrompre. Mais Clé, t'es ici ou là? Entre les deux, c'est la même chose. Mais vas-y là, ici, si tu veux. Est-ce que, monsieur le MJ, utiliser... vider une partie de mon rubis et de mana
Ça va compter comme une action ou pas? Oui, mais étant donné que tu peux le faire en préparation puisque tu n'as pas bougé d'ici, tu peux le vider gratuitement. Tu vois. Ah, est-ce bon, que je peux pas le vider complètement? Parce que j'ai pas 11 de mana. De quoi? J'ai pas 11 mana, j'ai que 7 max. Est-ce que je suis obligé de le vider entièrement? Jusqu'à 7. Ok, bon, 7. En vrai, je vais le vider, que de 3. D'accord. Donc tu le vides de 3. Suite. Très bien. Je me monte à 3. Du coup, j'ai le droit à deux petites actions, bah deux sorts. 5. Vas-y. Alors, bah, je vais commencer par une vision du futur. Ça, c'est un sort sympa quand même. Ouais, c'est un peu mon sort principal, du coup, on va dire. Ouais. non, j'ai d'attaque, pardon. Franchement, après une petite folie sur le gros, et je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Hein. Ça passe. Réussite, du coup. Yes. Vision du futur, un tour. Et je vais faire une folie sur Fimir, celui qui est au fond, pour lui ordonner de charger en ligne droite. Attends, dès qu'ils sont tous là, pourquoi ils pourraient pas essayer d'en faire tomber le plus possible dans la lave? Lance ta folie, s'il te plaît. Je peux en faire que sur un seul. Oui, pour non, mais comme Fimir, il fait la taille d'au moins 2-3 gobelins. Il y a moyen qu'il... Non, non, il fait ce qu'il veut. Ça. J'ai un dé dans le gris, je le vois pas. Ouais, c'est un Non, mais après, genre, tu lui donnes l'ordre. Après, si il ne fait pas, c'est pas grave. Hein. Ok, ça marche. Donc, t'as donné tes ordres. Très bien. J'ai tout dit. T'as tout dit. Il me reste plus qu'un mana dans l'extrême urgence. Ok. J'ai des vis dans la tête, on dirait. Ok. Des vis. Ah oui, des petits points, ouais. Donc les gobelins sont extrêmement vifs, ils vont jouer en premier. Il y en a un qui va venir t'impacter directement. Celui-là. Mais on s'y attend, on est d'accord. Viens te battre. Mon Fimir, il cherche pas en premier. Non, il est pas assez vif. Ils utilisent la stratégie, la fameuse technique. Tac. Attends, non mais attends. Et là, par contre, c'est ton Fimir qui joue. Donc, baston du Fimir. Ok, très bien. Paf. Je voudrais juste voir combien ça se défend en orc. Donc t'as demandé à ce qu'il fonce dans le vide, du coup qu'il entraîne avec lui. Orc. Ben pour le coup, folie, c'est vraiment bien. C'est plutôt même OP. Hein. Ah oui, putain, c'est dégueu. C'est pas dégueu. OP, c'est en soi. Ouais, franchement, les mind control dans ce genre de jeu, je trouve ça vraiment... les invocations, okay tiers. Genre, t'as vu genre le loup là, ce qu'il a fait, hein? Le loup? Tu sais, genre, c'était pas genre une invocation, mais le loup là de la chasseresse. Ouais. Ouais, mais il était bon, hein. Ouais. Et encore pour l'instant, il est mauvais. Donc les classes avec invocation, c'est waouh. Ah oui, non, mais ça c'était juste le jet d'attaque, je suis con. Le jet de dégâts. Bah, après, niveau armure, vous avez pas grand chose, quoi. Mais moi j'en ai pas. Ouais, mais les autres non plus, hein. C'est violent. Y a pas d'ennemis qui ont des bâtons, parce que moi c'est terrible. Et y a pas d'ennemis qui ont... Ah si, y a des haches, j'ai rien dit. Des haches. Oui, des haches. Non, des haches, parce que moi je mets des aides partout. Donc ça lui fait quand même moins 2, c'est bon, c'est fait. Deuxième attaque. Donc c'est mou du genou, hein. C'est mou du genou, hein. Pas en forme, le Fimir. Ah, je sais que... toujours fuir, hein, les amis. Non. C'est bon, là, c'est des gobelins. Du coup, à la folie, Fimir. De...
Bah tu le vois tailladé bien comme il faut le dos de l'orque. Voilà. Et donc l'orque qui va zooker. C'est l'orque qui comprend pas, il se fait taillader. Il s'en fout ? Non mais attends. Il se fait taper dans le dos et les orques viennent nous attaquer. C'est des orques, hein, donc c'est limite pris comme un ordre de commandement vif et rapide. Comprenez-le bien. Ce système hiérarchique très particulier. Ce ne sont pas des êtres humains. Voilà. Pour faire simple. Et j'ai plus l'impression qu'ils jouent comme des êtres humains, j'ai l'impression. Comme s'il y avait un MJ qui choisissait de faire la stratégie. Non mais ils agissent comme ils veulent, hein. C'est cohérent. Que tu le veuilles ou non, moine, c'est cohérent. C'est à vous de jouer. Ah, il joue pas en premier. Ouais, bah je suis un peu ciblé par les deux du côté, du coup c'est un peu relou. Ah bah écoute, moi je peux pas bouger, hein. Je pousse le gobelin dans le vide, hein. Vous êtes déjà fait frapper par les gobelins. Placé pour pouvoir pousser le gobelin dans le vide. Moi j'ai 6. Non mais j'ai attends. Tu n'es pas bien placé pour pousser le gobelin dans le vide. Il a fait combien de dégâts le gobelin? Je l'attrape par le bras, je le jette, arrête. Pardon, j'ai rien entendu. Ouais, j'attends qu'ils ont fait. Qui joue en premier déjà, moi, c'est ce que je veux savoir en fait. Normalement, c'est moi. Très bien. Donc tu le prends par le bras pour le jeter dans le vide. Tu me fais un genre de force en opposition avec le gobelin, monsieur. Bon, genre, c'est un gobelin, c'est pas un orque, hein. Oui, c'est un gobelin, c'est pas un orque, en effet. J'ai de force ou j'ai de. J'ai de force en opposition. Okay. Deux. Oh. Mais. Ouh, ça pue un peu, hein. Ça pue carrément. Ah, mais attends, il y a la... Tu peux relancer avec son truc. Oui, tu peux relancer les dés que tu veux. Ok. Ça pue quand même. Tu le déstabilises, mais ça suffit pas pour jeter dans le vide. Ah, ok. Voilà. Très bien. C'est à qui? Moi je veux bien dire. J'ai juste une question, ouais, du connard. Qui s'est déjà fait frapper par un gobelin? Ah, personne. Personne s'est encore frappé par un gobelin? Non, personne. Aïe aïe aïe, ça m'étonne. Ah, si tu peux relancer la folie, genre fais-le. Hein. Ouais, mais il y en a deux. Bah, tu le lances sur lui ou tu lances sur lui. Franchement, abuse des bonnes choses, hein. C'est ton meilleur sort. Folie, c'est pas possible. Ça va, mais. Parce que ça, ils peuvent toujours attaquer les alliés. Hein. Bah dans tous les cas, il y en aura un au moins sur ta gueule, quoi. C'est déjà, c'est peut-être pas pété, mais. Est-ce qu'il bloque le passage celui-là s'il ne bouge pas? Ou est-ce que celui-là peut quand même passer là? C'est plus compliqué, mais il peut passer. C'est compliqué, par contre. Ouais, mais les gobelins c'est chaud, c'est agile. Ok, bon, je vais pas prendre risque. Du coup, je vais faire un fil paralysant sur celui-ci. D'accord. Vas-y. C'est parti. Et c'est une réussite critique. Et je vais faire un petit déplacement de... Je vais me mettre un peu dans cette salle-là, je pense, un peu en arrière. Ok. Le courage en barquette. Ah oui, effectivement. Donc, c'est une réussite critique, il sera occupé pendant 2 tours. Très bien. Fort bien. Ok, donc c'est à Asgal. Non. Bon. Je n'ai plus le mana. Je vais débarrasser l'orque. Je vais débarrasser l'orque avec ma faux encore. Vas-y. Contre son jet d'esquive légendaire. Attention. Alors attends. C'est pas sûr. Attention. Hein. Ça tournait mal. Alors on est d'accord qu'on a le droit de relancer les dés qu'on veut. Ah bah c'est pas la peine. J'ai fait un coup critique. Un crit. Ouais, un critique. Le beau geste. Fait quand même. Effectivement. Le oui, chien, oui, tu peux. Il y a droit. Ok, très bien, tu lui fais un crit. Très très bien joué. Ok, tu fais tes dégâts. Bon, 4. Ça vaut pas le coup que je relance, je lui fais 4, ouais. 4 plus ton crit, tu lui fais 5. 5 sur l'orque.
Et il bouge encore, hein. Mais il bouge encore. Ah ouais, mais il est pas frais. Du tout. Bah du coup, hop, deuxième attaque. Deuxième attaque. Ouais. Ah ça que tu peux. Ah ouais. Tu fais directement les dégâts. Ok. C'est pas terrible. Tu peux relancer là. Je vais relancer, oui. Tu peux relancer tous les autres. Attends. Tous ceux que tu veux. T'as fait tellement de trucs de bouclier là. On est d'accord. C'est incroyable. Pas au bon moment, mais je les ai fait. Ouais. Ah bah là, c'est un peu plus intéressant. 3, ouais. 3. Ouais. Ok, je fais CDF. C'est qui? Ok. Tu le butes. Yes. Ça, c'est en moi. Tu le butes. Mais qui va être divisé par 3, hein. Vous avez tous joué. Ouais, à notre ami ouais. Le finir. 3, 4, heureusement qu'on a fait diviser 5, l'XP 6. Parce que en fait, Aldaron. Celui-ci ne bouge pas. Bah, je suis en supplément d'attaque. Oui, justement, c'est pour ça. On pense à toi. Ouais. Bah, tu dis ça, mais la folie qu'il a claqué sur le mini boss qui a tapé le boss, voilà quoi. C'est pas lui qui les tue. C'est vrai. Et il a pas tué de toute façon, il a pas tué, il a ouais, affaibli. Personne. Ouais, je t'ai ouvert une brèche dans son armure. Il faut que tu nous fasses une esquive. C'est vachement si utile, non? Ça marche. Ouais. Esquive, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Non. J'ai fait comment combien? Ça me change des persos. 1, 2, du coup, je peux relancer, non? Ou je peux plus? T'as fait combien de boucliers? 2. Ça suffit. Ah, d'accord. Voilà. C'est un gobelin. ah oui, bah contre, oui, c'est. Par contre, il va te retabasser quand même, hein, parce que il y croit lui, hein. Il a le droit d'y croire. Hein. C'est il croit, il y croit. Hein. Allez, faut que tu refasses une def, s'il te plaît. Attends, ça là, là, hop. 1, 2, 3, et 3. C'est bon, ça passe. Donc, tu le pars au bâton sans inconvénient. Il y a un gobelin qui est statique pour encore un tour après ça. Et donc il y a un gobelin qui va tenter une petite acrobatie, une petite glissade là dans la lave, ça peut être pas mal. Il y a moyen de faire. Le gobelin est bon. Hein, les gobelins, c'est agile. Hein. Ça a pas l'air. Hein. Enfin, c'est athlétique. En tout cas actuel. C'est athlétique. Excuse-moi, c'est sur du dé. Ouais, c'est méga agile. Ouais, mais athlétique, genre ça fait mal du coup. Non, mais plus agile plutôt, on va dire. Athlétique, ouais, c'est ouais, un bah, peu plus mais... Il passe le gadget, hein. Il passe. Ok, j'ai bien fait de me reculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Yes. Ça lui coûterait pas les petits PM, enfin les points de mouvement, son petit passage. Ça lui compte tout ça dans son mouvement. Puisqu'il a bien assez de mouvement pour compenser. Donc il te fait une petite attaque dans le dos. Dans le dos. Il a fait un déplacement plus une acrobatie. Allez, vas-y, vous êtes tatillon, vas-y, je vous l'offre. Yes. Putain, mais il est dans le dos. Hein. En plus, on a perdu un allié. Ça marche, ça marche. C'est vrai. Ça marche, je l'offre. C'est réglo. C'est réglo. Pas de soucis. Yu-Gi-Oh, à vous de jouer. Qu'à moi ? Ouais. Moi je continue, hein. Moi j'attrape le. J'essaie de tenter d'attraper le gobelin par le crâne et de le balancer. Ah, vraiment, le mec est énervé. Même si j'essaie pendant 30 tours, moi je vais continuer à faire la même action. Ok, ça marche, ah, très bien. Vas-y. 4, 1, 2, 3 et 4. Ok. Roll. Ouf, c'est nul. Ah, bah oui, je peux le refaire du coup. Deuxième action. Attends. Non, c'est fini. Hein. Oui, non, mais je veux dire, comme je suis statique, je peux faire deux actions. Ah oui, tout à fait, oui. Un, deux, et... Même truc qu'avant. C'est pas grave, on va attendre. Donc c'est nul. Ok,
de crâne et de bouclier. Il était là. Ouais. Pam, 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 pam. Très bien. Je t'en prie. C'est à qui ? Hommage, non ? C'est hommage. Ouais, hommage. C'est à moi. J'ai une question. C'est quoi les moyens pour se régénérer du mana naturellement ? Dormir. Reposer, non ? Pardon ? Dormir, manger, se reposer. Reposer. La base. Ok, ok. Bah, malheureusement, j'ai plus rien, trop d'actions à faire, donc je vais juste me redéplacer là pour avoir la vue sur mes camarades. T'as un parchemin pour... Non, mais non, mais non, pas maintenant. Je vais pas claquer de parchemin, ça... Pas pour... Si ça se passe comme normal, hein. Je claquerai du... Ouais, ouais. Oh, tranquille. Ah, y'a surtout un finir, hein. Ouais, mais bon. Mais il est... Bah, il est pas mouché, mais... Vite fait, quoi. Donc c'est à Asgard. Voilà. Je suis prêt à agir s'il y a un problème pendant le tour d'avance, si c'est possible. Tente de one-shot les mobs, hein. Ouais, du coup, je vais faucher le gobelin qui est... Bah, vas-y. Voilà. On va l'appeler la petite faucheuse, celui-là. Alors, du coup, je le touche, pour le toucher. C'est sur du 3. Ça touche. Ouais. Blessure contre sa défense, s'il te plaît. Blessure contre sa défense. Yes. D'accord. Je te fais ça tout de suite. La lumière, elle est toujours active ou pas ? Voilà, attendez, excusez-moi. J'ai surestimé le gobelin. Quelle lumière ? Je sais comment il s'appelle, le sort. Le sort qu'a lancé Alderman, c'est que pour moi. Non, c'est terminé. Ah, ok. C'est terminé. Lumos. C'est un échec critique pour le gobelin. Tu fais combien ? Je lui fais du 3. 3. Donc, du coup, tu lui fais 4. 4. Oula. Ouais. Ok, bon. Bah, il est pas frais. Ok, bon, bah, fais le retour après le crack. Vas-y. Heureusement que t'es là, hein. Bref, chacun fait sa part du boulot. 3, 4. Ouais, voilà, je lui fais du 4. C'est parti. Un dé pour mon gob. Oh, échec critique. Bon, bah, tu l'as tué. C'était bien. Okay. On a beaucoup apprécié la présence du gobelin. C'est formidable. Heureusement qu'ils étaient 3, hein. Le gobelin apprécié. Moi, je l'apprécie. Il y a juste le Fimir qui me fait peur, mais bon... Ça commence à faire une belle collection de monstres, en tout cas. Ouais. Attention, celui-là va bientôt être destiné. Jusqu'au bout. Merci. Ouais, c'est vrai, merci. Merci de m'y faire penser, mais après le... Comment je vais... Quand je vais lui traiter sa mère au Fimir. Ah, mais par contre, je sais pas si tu te rends compte, mais t'es sur un gobelin depuis 3 tours, hein. Oui. Ouais. Oh, ouais. Ça devient ridicule, c'est exact. J'ai des dégâts négatifs, donc... Ça existe. Donc, attaque du gob. Déplacement du Fimir, excusez-moi. Qui va se mettre là. Et qui va t'attaquer. Ah ouais, carrément. Bah oui. Top, hein. Copain. Tac. Bah c'est parti. Ok. 1, 2, 3. J'ai déjà fait mes dés de death. Moi, je tiens à signaler que ici, okay. C'est bon. Ou là-bas, est-ce qu'on avait ramassé ce qu'il y avait les restes du mec, okay, mec. Celui qui avait tapé le. Ouais, parce qu'on a, une gemme de vie. On a une gemme de vie et de mana. Comment ça ? On a une gemme de vie et de mana ici. Mais je crois qu'il l'a récupéré pour son chien. Hein. Il te fait une réussite critique. Non. Allez, ah bon ? Son chien, est explorateur. Réussite critique. Ah bon ? Non, il s'est barré avec son chien. Ouais, mais pas avec la gemme du coup. Non, pas avec la gemme. Ok. Je dois réussir combien pour le ça du coup ? Tu dois refaire une réussite critique. Ok. C'est bien. Eh ben non. C'est bien dommage. Donc ce sera contre ta def, mais tu n'as pas de défense. Donc tu vas prendre du dégât. Et là, c'est tout le bazar. Ah, mais non. Mais non. Ah, mais si non. C'est pas, ça va, hein.
1, 2, 3, 4, 5, monsieur. 5 PV. Il a fait 5, ça va. Yes. C'est bon, 5, c'est parfait. Il a 1 PV. Ah oui, non, mais si c'est 5, ça va. Toujours vivant, rassurez-vous. Hein. Toujours la banane, toujours debout. Pour l'instant, la banane. Ah, je flanche, mais j'ai confiance. Ouais, mais j'aimerais bien que tu. C'est au gobelin de te tabasser. Bah ouais, mais bon, moi j'ai pas de mana, j'ai rien, donc tu veux que je laisse quoi. Mais non, mais tu tapes, tu sais, genre. Le gobelin t'attaque, monsieur, esquive s'il te plaît. Ouais, ouais, bah écoute, je vais tenter ça. Hein. Parce que, genre, je pense pas que tu réussisses à le pousser, ça fait deux tours. J'ai deux. Putain, mais c'est quoi ces jets depuis tout à l'heure là? C'est terrible. Deux, c'est limitless, hein. Ouh, c'est limitless, hein. Tu sens que le gobelin, ça a failli passer, hein. Il en avait marre du bolos là. Non non, parce que là 8 trucs, là j'en ai que 2, non mais là c'est chaud là. Deuxième attaque du gobelin, bon par contre voilà, il était doué une fois mais pas deux fois. Voilà. Ah non c'est bon, c'est fini. Ah ok ok. Calme-toi, il ne s'est rien passé. De toute façon, mais même là j'en ai fait que 2 là. Waouh. C'est à toi de jouer, Clay. Ok, mais bon là je prends sa mère, je lui mets des énormes coups de bâton. Boum. Sur qui? Sur quoi? Sur le gobelin. Ah, du coup, ouais, t'as arrêté de le tirer? T'as arrêté de tirer comme un enfant? Bah, enfin, vu que le MJ est bon, voilà, il est pas très sympa, et bah, je vais le taper. Hein. Bah, si le MJ était sympa, les joueurs de Rage quitteraient pas la table. Et ça me manquerait au final. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi que tu perds de tri entre les raclures de Pitet et les vrais attends. Pourritures communistes. Parce que j'allais remettre. Je suis une vraie pourriture communiste. Normalement, là c'est bon. Ouais, oui, c'est très bon. Critique de ouf. 1, 2, 3, 4, 5. Une critique sur les 6. Enfin, 5. Ouais. Tu lances combien de 6 sur 6D. 5. Ok, donc c'est une réussite critique à 5. Sur le gobelin. Crit. Bon courage, petit gobelin. Wouh, un dé. Wouh. Oh, du coup, je lance les dégâts. Oh, c'est réussi. Vas-y, lance. Non, mais non. C'est réussi, il fait une réussite critique, je suis désolé, c'est tout, c'est triste. Avec un dé. Ah, mais dans tous les cas, j'avais fait des dégâts qui ne marchaient pas, donc... Ah, t'as fait 0 dégâts. Ouais, donc dans tous les cas, même si je comptais rien le mettre. Ah, comment il t'a bloqué le gobelin. Tac, tac, je tac, remets, il est trop déter. Je tente de remettre des dégâts du coup. Mais il est donc, nul, bah, si il a tu fais tes dégâts direct. 4 dégâts. 4. Oh, le gobelin de l'extrême, quoi. Oh mon dieu, mais c'est des nuls. Contre la défense du gobelin, c'est parti. Ah, c'est un échec critique. Combien tu lui fais? 4. Du coup, 5. Ok. Là, il boit flou. Hein. Là, tu sais, il est à moitié par terre. Juste en train de gigoter avec son épée dans l'air, tu sais. Il voit plus rien, le mec. Il finit. Il fait what's that? T'sais, il est toute sa life. Voilà. Ok, ça c'est pour ça. Ensuite, c'est un. Tu fais quelque chose, Aldaran? Bah non, toujours pas. Ok. Bah, là, pour le coup, moi j'ai un PV. Là, faut qu'il se passe un truc. Hein. C'est à toi, Asgal. Vous êtes en combat. Okay. Donc, si vous dites quelque chose, ça vous prend du temps. Bah, il faut que je m'avance. Je vais régler son. Ouais, je vais régler le finir. Ok. Donc tu perds un move. Ouais. Et tu fais quoi? Tu fais la grande faucheuse. Ouais, toujours épisode. Grande faucheuse. Okay. Ouais, là. Ok. Hop. Donc on part sur 3D d'attaque. Pour toucher. Lui il est cassé. On le considère comme si c'était un bouclier. Lequel? Lui. Il est clairement cassé celui-là. Tu le reposes. Il est clairement cassé. Tu le relances. Ok. Ok. Le crâne. De crâne, tu touches. Ok, je touche. Attends. J'ai problème de dés là. Hop, c'est bon. Non, c'est, j'ai rien dit. Mais. J'ai des petits soucis. Hein. 1, 2, 3, 4. Ça va, hein? J'ai des bons dégâts. 4. Oh, c'est de la chance. C'est de la chance. Ouais, ok, tu lui mets un coup de fou dans le côte. Dans le côté. tu lui mets combien, tu m'as dit? 4. 4, très bien. Oh, il a pas aimé. Non, j'aime pas. Il a pas aimé ça du tout.
Ok. C'est à eux. C'est à eux. Donc, est-ce que le gobelin va enfin réussir à planter va enfin réussir à planter le moine depuis le temps, son rêve, son droit d'y croire. Nous le saurons dans le prochain épisode. Ah non, vous allez le savoir maintenant. Oh là ah là. Ah esquive, s'il te plaît. C'est pas du bon marketing. Dun, 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 dun. Non. Ah si, deux. Deux, ouais. C'est bon, c'est bon. Ça, non, mais, c'est... Hey, mais je fais des jets depuis tout à l'heure, c'est un rouleau. Deux, mais sur 8 dés, hein. Deux sur 8 dés, c'est... Ah ouais, non, c'était non, pas non, vite tout à l'heure avec mes guerriers. Deuxième attaque, s'il te plaît. Défense, esquive. Allez, vas-y, échoue. Échoue. Tout le monde sait que tu vas échouer. Non, mais moi, jamais... Attends. Un, deux... Trois, c'est bon. J'en ai que deux. Ah oui, trois, ouais, trois. On va pas chercher plus loin, hein. Ok, donc c'est bon, t'arrives à bloquer le gobelin. Lui, il a encore bloqué ce tour-ci, je crois. Y'a pas, c'est fini ? Non, c'est déjà fini. C'est fini. Ouais, je crois que c'est son tour, ouais. Non, mais moi, vas-y, vas-y, moi. De chaise. Moi, je suis pour la bagarre encore. Il sait pas trop. Mais non, il va frapper le nain parce que c'est les ennemis naturels des gobelins. Donc, il te fait une attaque. Est-ce que tu souhaites esquiver ou tu prends dans tes PV ? Tu choisis. Je peux prendre dans ma défense ? Tu peux prendre dans ta défense directe. Hop là. D'accord. Donc c'est parti, bah tu me fais un jet de défense en opposition s'il te plaît. Bah non, bah du coup c'est bon, du coup... Oui, fais ton jet de défense s'il te plaît. Face à une réussite critique d'ailleurs. Ah, face à une réussite critique ? Oui, monsieur. Bah dans tous les cas, attends... Un seul bouclier. Ouais, un seul bouclier, mais en fait c'est le... C'est le... J'ai pas fait de... Attends... J'ai un en défense, en endurance. Hein ? J'ai enfin un en endurance, putain, ce que je dis. J'ai un en armure et j'ai deux en vigueur. Ah oui, donc tu peux garder qu'un dé. Ouais. Oui, ok, cool. Donc tu fais une réussite critique en défense, donc tu prends que deux blessures. Ça. Oh le tricheur ! Quoi ? Que deux blessures ? Bah oui. Eh, c'est un gobelin, hein, c'est pas. C'est ça, oui, c'est ça, c'est un globzoul. Et il t'a fait ce qu'il pouvait te faire plus fort. Ah bon ? J'annonce. Okay. Allez, ce n'est qu'un gobelin, on se calme. Donc il te touche. Et ensuite c'est le Fier. Donc le Fier, lui, bon, lui, il a décidé de tabasser le moine. Hein. Donc c'est parti. Ah ouais. Ouais. On va tous mourir. Ouais. Tu fais une attaque, il faut que tu défendes, monsieur. Ah non, mais là pour le coup, là le mage, genre on a besoin de lui. Et je peux pas de trucs extraordinaires. Tu te rends compte que t'es celui qui a le plus de points de vie ? Ah ouais, bah c'est mort. Hein. Mais ouais. Il te touche. Non, mais c'est abusé. Hein. Il te touche, mec. Non, parce que là, non, mais franchement, là. Là, on est deux en fait, là, je. Bah oui, mais. Il y en a un qui compte pas d'armes. Ouf. Critique, réussite, non, mais... critique. Non, mais non, mais tu prends 4 dégâts, monsieur. Ouais, bah je passe à moins 3. Hein. 4 dégâts, bah non, tu passes à 2. Non, parce que j'avais pas enlevé les PV, il m'avait tapé du 5, donc oui, je suis à 1, et il m'a tapé 4, donc je suis à moins 3. T'as moins 3. Merci le mage qui se gratte le cul. Merci le mage qui se gratte le cul. Moi je voulais même pas me battre à la base. Merci le mage qui se gratte le cul. Voilà, donc tu vas prendre la deuxième baffe le nain. Ah mais moi ce qui me casse les couilles en fait c'est qu'on perd parce que genre il y a des gens qui partent en fait, genre... C'est chiant en fait. Faut que j'enlève un dé. Ça on y peut rien. Tu fais ton... Ça on y peut rien. Il manque deux personnes plus une personne qui part, on fait comment ? Bah on aurait dû fuir. Le nain, je l'utilise en esquive ou pas ? Là. C'est qui me tape ? C'est le fumier ? Oui, le fumier. Ouais, j'esquive là, j'esquive. Enfin, fuir contre deux gobelins. Alors qu'on a tué un seigneur du chaos, enfin bref. Oui, non. Non, mais c'est pas la peine de prendre le dégoût pour ça. C'est les gens qui n'assument pas jusqu'au bout leur travail. Et ça, bah non. Ça fait un bouclier. J'ai fait un dé. Eh ben écoute, ouais. T'arrives à bloquer. Ah ok. J'avais fait qu'un dé. J'avais fait qu'un crâne. Très bien. Et ben du coup, le petit gobelin, il va te pouvoir pourrir la gueule. Mais non, pas un gobelin. Mais si, le gobelin, il va pouvoir te péter ta gueule. Mais c'est la honte. Allez, c'est parti. Ouais, là c'est meilleur. Allez.
Tu peux me faire ton jet de... Ah non, rien du tout. Excuse-moi, tu fais rien du tout. J'ai de défense quand même, s'il te plaît. Non. Et là, oui, là, je te défends sur la deuxième attaque. S'il te plaît. Il faut faire un bouclier, monsieur. Donc une réussite critique pour toi. Je peux le faire. Ok, ah bah c'est bon. Réussis. Deux même. Ok, t'arrives à bloquer le gobelin. Donc là, t'es bien entouré quand même. Ça fait beaucoup de pauvres en mètre carré. Bon, je vais t'aider, mais... S'il te plaît. Messieurs, tu fais quelque chose, Aldaron. Oui. Je suis pas un petit truc vu que ça fait 3 tours où je branle rien. Si, il a le droit, s'il te plaît. Un mana. Deux mana. Non, mais il prend un mana. Tu prends un mana, d'accord. Je prends ou je dois utiliser une gemme pour la prendre. Tu dois utiliser ta gemme pour la prendre. Une gemme en plus. Il a fait rien depuis tout à l'heure. Oh non, mais sérieux. Je me suis reposé, t'as dit qu'il fallait se reposer. Bon. Il avait de la mana. Non, faut dormir, il t'a dit. Faut pas les... Bon, j'utilise encore un peu de mana. Donc t'en prends un, tu m'as dit. Mais bouffe toute la gemme. Non, j'en mets pas qu'un. Tu m'as dit que t'en prenais qu'un. Ah, donc t'en prends qu'un. T'as la flemme d'en prendre plus. Ok, bon, j'en prends qu'un. Et tu m'augmenteras ta paresse de 1, s'il te plaît. Ouais, ok, je l'augmente. Je vais faire. Vraiment, en vrai, je sais pas trop comment t'aider, mais je vais faire folie. Mais non. Bah si. Ah, tu veux choisir. Mais non, mais folie. Eh, t'es sérieux là? Mais folie, genre, c'est très fort, folie. T'es sérieux là? Non, pas importe quoi. Mais il est mort, il vaut mieux que je fasse quand l'autre il soit en vie. Eh, t'es sérieux? Oui. T'es sérieux ou pas? Ah non. Fais ce que tu veux, c'est le. Tu fais ce que tu veux. Non mais folie, c'est le sort. Putain, je pense pour moi c'est un des sorts les plus forts du jeu et je l'utilise pas. Attends, non parce que en fait, folie... en fait les gars j'ai mal dit un truc mais c'est pas grave. Je vais attendre du coup. Quoi? Je vais attendre le prochain tour. Mais je vais quand même faire une folie. Ah mais t'attends que je meure? Ouais en fait et le pire c'est que c'est vrai. Ah. Je vais faire une folie sur sur le fumier. Hein. Non quoi qu'il va être chiant à faire. Bah... Non sur le gobelin qui va attaquer le fumier. Sauf que c'est le Fémir qui va one shot le nain et pas le gobelin. C'est une réussite critique, une réussite tout court. Bah ouais, enfin... Jet de résistance mentale du club Zoublin. Je ne comprends pas. Ah ouais, non, mais je comprends pas cette logique. Tu verras. Ok, bon bah c'est raté. Oui, tu prends possession du gobelin. Qu'est-ce qu'il doit faire le gobelin? Il tabasse le Fémir. D'accord, c'est parti. C'est à toi, Asgard. À moi? Ouais. Attends, le Fémir? Le fumier est contrôlé? Non. Le gobelin attaque. Tu vois le gobelin qui a des yeux verts et qui se tourne, qui brille et qui se tourne vers le fumier. Bon, non, on va faucher le fumier aussi. Ah oui, là il faut. Au pire, tu t'occupes de celui qui est derrière toi, au moins. Ouais, c'est vrai que le gobelin derrière moi, ça peut être pas mal aussi. Là, il va être occupé donc. Ouais. J'ai chopé le gobelin. Tu par une crotte de nez en phase terminale? Ouais, parce que je te rappelle que lui il est en phase terminale. Hein. Le fumier? Non, le gobelin. Lequel? Celui-là? Oui. Non, l'autre. Celui qui est là. Ah. Celui qui est là, hein, celui qui s'est fait tirer l'oreille pendant 15 jours. Ouais, c'est le mec vie, qui est rendu donc, fou. Donc occupé par une crotte de nez. Hein. Ouais. C'est vous qui voyez. Ouais, fumier. Je vais attaquer une fois le fumier, vas-y. Alors, mais j'ai pour tout fait. Attends, il y en a un qui est parti, ça dérange pas. Ah, je fais deux crânes. Donc une réussite critique. Ah non, tu gardes tous tes dés. Non, tous mes dés, ouais. Ok, très bien. Sur donc esquive du fumier. Ok, tu touches. Ok. Tu fais quoi pour ça? J'ai lancé un peu fort. Oui. Alors. 2, 3, 4, 4 crânes. 4, ouais. Ouais, 4 crânes. Ouais, 4 crânes, ouais. Sa défense. Ok, très bien. Ok, tu t'aillais. 4 crânes, c'est un critique ou pas? Non, ce n'est pas un critique. Très bien. À 1 près. Très bien. Ok, formidable. Est-ce qu'il va mourir? Non, toujours pas. Non. Tu mets un coup de temps et le machin est toujours aussi énervé, y a pas de problème.
Attends, est-ce que je dans mes critiques, ça compte ceux de l'arme aussi? De quoi? Est-ce que dans mes critiques, ça compte ceux de l'arme? Oui, enfin c'est le critique, c'est le dé que tu gardes, c'est tout le dé que tu gardes. À partir du moment que t'affiches que des crânes, c'est que c'est un critique. Donc attends, ce que je garde, c'est les athlétisme. Oui. Et arme. Plus arme. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon. Je me suis toujours pas que la spécialisation. En fait. Ouais, c'est bon. D'accord. Ok. Donc, pas de soucis. On est bon. Ça me va. Magnifique. Ouais, pour moi, c'est parfait. Bon. Donc ta deuxième attaque. Deuxième attaque, ouais. Je la ferai pas sur l'autre gobelin. En athlétisme. Tu fais sur quoi? Je le ferai pas sur l'autre gobelin, ou c'est pas possible? Tu fais comme tu sens. Ok, ouais, fais non, mais je vais attaquer le. Je vais attaquer le Fimir, encore une fois. Je vais. Okay. Là. Ouh là là, là c'est un peu moins bien. Je fais deux crânes. Très bien, je fais deux crânes. Ok. Très bien. Cool. Donc fin de ton tour. Ouais, c'est ça. Alderaan, t'as déjà joué? Ou pas? Oui. Oui, t'as déjà joué. Ok. Donc tour du gobelin. Allez, je vais faire jouer ton gobelin en premier. Ça me fait vraiment plaisir. Allez. Fais-moi le meilleur gobelin du monde. Voilà. Tu sais, je pense pas demander en plus. Ouh, magnifique. Première attaque qui touche, qui porte pas. C'est bon. C'est bon. Ne t'énerve pas, Arthur, ne t'énerve pas. Oh, le deuxième est un critique par contre. Yes. Sur une défense. Parce que je lui donne pas le droit d'esquiver. Sur une défense du Fimir. Il en encaisse un, mais vu que c'est un critique, il en bouffe deux. Voilà. Ok, très bien. Donc ça c'était pour le Globzoom. Le Fimir, donc il va continuer à taper dans ta gueule. Bien sûr, parce qu'il n'a pas intention de s'arrêter. Alors attends, je vais d'abord t'envoyer le gobelin qui est derrière toi. Excuse-moi. Donc j'y pense avant de l'oublier. Il te fait une réussite critique, monsieur. D'accord. Voilà. Alors attends. Tu esquives ou tu défends? Une réussite critique. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, je vais prendre cher. Mais je risque. Tu peux esquiver, toi. Parce que t'as 3D, donc t'as une chance d'avoir. Ouais, mais s'il esquive là, ça veut dire qu'il esquive pas le Fimir. Ouais, du coup, bon. Je préfère encaisser. Ah, ok, tu te fais attaquer par le gobelin, j'avais pas compris. C'est le gobelin là. Réussite critique du gobelin. J'ai pas compris. Bah, du coup, ça passe. Réussite critique. Réussite critique. Donc, contre réussite critique, il ne t'inflige qu'un point de vie. Tu perds un point de vie, monsieur. Ok. Heureusement que j'ai une armure en cuir. Il hein. Avait tout ce qu'il avait. Ouais. Heureusement. Deuxième attaque, monsieur. Deuxième attaque du gobelin. Ah, c'est vrai, il en a deux. Oh, le bâtard. Oui. Ouais, oui, j'ai oublié. C'est réussi. Encore. Putain, il devient bon. Allez, fais ta def. Ah, pardon. Excuse-moi. Oh, c'est fini. Mais non, c'est non, Il est trop tard. C'est pas ça. Il est trop tard pour faire du JDR, ça y est, fini. Non, c'est même pas ça. Ah bon, c'est une réussite critique, du coup tu annules les dégâts. Yes! Grâce à ta réussite critique, un dé. Bing bing! Ça c'est très difficile à faire. Hein. Maintenant, je t'avoue que... c'est la bifle. Ouais. C'est la bifle finale. C'est la bifle finale. Chut, on va pas le dire. Mais t'as pas vu. Il te touche à deux. Il faut que tu esquives, monsieur. Alors l'esquive. Non, tu vas pas mourir. Mais tu peux pas esquiver, hein. Si, je peux esquiver. J'ai pas encore esquivé. Je voulais que tu meurs, mais c'est pas grave. Attends, mais tu peux esquiver qu'une seule fois. Oui, mais il a pas encore esquivé. Ah, pour chaque monstre, il peut esquiver. Ouais, j'ai pas esquivé. Putain, mais non, il écoute pas l'autre coup, il le fait exprès. Pas esquivé. Là. Il a pas encore esquivé. Il a mais réservé mais son esquive. Ah, d'accord. Donc là, il vient de l'utiliser. Voilà. Compliqué ce soir, hein. Et il a pas esquivé. Il se fait tard. Après, faut dire que les règles sont un peu bizarres, donc bon. Bah non, il a le droit d'esquiver qu'une fois, c'est tout. Et il esquive quand il veut. S'il veut esquiver. Esquive, c'est une possibilité, c'est comme l'attaque, t'es pas obligé de le faire. Pourquoi t'as relancé tes dés? Ah, parce que j'ai pas esquivé, je prépare mes jets de défense. Ouais, bah vas-y, bah fais ce que t'as à faire. Donc t'esquives ou t'esquives pas?
Mais j'ai esquivé, j'ai pas réussi. Ah d'accord. Donc j'ai fait que deux crânes. Ok, tu bouffes. C'est ce que, tout ce que je voulais savoir. Merci monsieur. Oui, c'est ce que je. Bah, okay, il est trop tard, je crois, pour faire du VDR. Il est trop tard pour faire du VDR. Trop tard, monsieur. Oula. Réussite critique. Ouais. Réussite critique. Ah non, pas réussite critique, j'ai rien dit. Ouais, mais dans tous les cas, je réussite meurs. Quand même. Tu prends 5. Tu prends 5 si tu défends pas. Et je vais défendre. Défends pas. Pardon ? Laisse-toi crever. Ah bon ? Mais j'ai pas envie. Toujours eu un truc pas. Bam bam. Ah, ça passe même pas ? Ça passe pas. Et non. Non, prends, non, bah je suis mort. Tu prends 5. T'es à moins 2. Nickel. Paf. Je pourrais réagir. C'était la première attaque du Fimir, ça. C'était la première attaque du Fimir. Allô ? Je sais pas, oui, peut-être. Oui, oui, parce que j'ai pu esquiver. Oui, c'était la première attaque. 3, 4, 5 et 6. Très bien. Y'a pas un système d'hémorragie là pour les Fimir ? Je l'ai bien dans ma feuille quand même. C'est un démon, ouais. Il s'en bat les couilles. Du coup, j'ai une question, monsieur. C'est indiqué dans mon parchemin de vie. Une fois par quête. Il va être cramé si j'utilise ou pas ? Tu sais pas. T'as pas eu le temps de l'étudier. Bon, du coup, je crame du mana. C'est écrit qu'une seule fois par quête. Tu crames combien de mana ? J'en crame. Je suis à 1, j'en crame 2 pour être à 3. Ok. Je me l'enlève. Et du coup, j'ai le droit à combien d'actions ? 2 ou une seule du coup ? Une seule. Une seule, bon, je fais le par mon chemin de vie alors. Du coup, ce parchemin de vie, ça fait... est-ce que je dois faire un test pour l'utiliser ou pas ? Sachant que c'est eux qui vont faire un test. Si, une fois par quête, tous vos compagnons morts qui vous sont visibles lancent un dé de combat. Et avec un crâne, récupère 2 points de vie et 1 point d'esprit. Donc monsieur, vous lancez un seul dé. Et il faut faire un crâne. C'est vachement utile. Vous faites un crâne. J'ai fait un crâne. Il fait un crâne. Il récupère 2 points de vie. Clay, il fait un crâne. Je suis dans le coma. Non, non, tu récupères 2 points de vie. Ouais, mais je suis dans le coma quand même. J'ai 0 là. Vas-y. Et toi, s'il te plaît. Non, non, tu reviens à la vie avec 2 points de vie. Non, dé de combat. Dé de combat. Je vais récupérer. Dé de combat, dé rouge. Que. Très important la couleur. Ouais, très important. Comme ça, grâce à ça, t'as fait un crâne. Donc tu récupères 2 points de vie. Remercie dé rouge. Tu es à moins 2. Moins 1. Ah, on récupère. Non, récupère. Ah, ouais, vous ne faites que récupérer, donc vous êtes à moins 1. Donc vous êtes mort. Ouais, du coup, c'était hyper utile. Ah, ouais. Donc c'est de la merde. C'est embêtant. C'est de la merde. Ouais. Et dire qu'il a attendu exactement. Il fallait que mort pour le faire aussi. Je oui mais t'as fallait faut apprendre à lire, tu sais. Bah ouais, mais non, t'inquiète. Je pouvais pas le faire si t'es vivant. Mais tu pouvais faire d'autres choses comme pour récupérer. Ça, tu peux pas le faire s'il était vivant. Il faut que ça mort une fois pour tous vos compagnons morts. Ah oui. Oui, effectivement. Du coup, j'attends Ouais, mais enfin il y a d'autres choses. Ouais, il y avait un petit cristal qui pouvait redonner toute la vie. Non mais le cristal quoi, bon, c'est un peu sympa ouais. Non, mais cristal, mec, il est là-bas aussi, t'as les gars. Plein de trucs. Ah, tu pouvais y aller. Je vais chercher, mais. C'est trop greedy, mec. Greedy, mec, pendant 3 tours, on était en train de tanker 8 mobs. Bon. Non, stop, c'est bon. Pendant 2 tours, il y en avait un là. Oui, c'est vrai. Non, mais il a pas rien fait. Mais disons, tu aurais pu faire d'autres choses. T'es au courant que t'avais genre un mur de feu. Si, là, pendant 3 tours, il a rien fait. T'étais au courant que t'avais genre un mur de feu. Non, non. Hein ? Mais t'as quoi ? C'est dans mon jeu mort, ça. Ah, j'ai que ça d'équipé. D'accord, donc t'es au courant que t'avais. Ah non, t'as pas pris la foudre. Ah, t'as pris vraiment zéro sort d'action quoi. Bon, enfin bon, défil paralysant. Des fils paralysants, ça aurait toujours aidé des potes quoi. Bah, je l'ai fait. Bah, tu vois, j'ai fait une folie. Ah, des folies. Alors, j'ai fait un truc. Non, mais tu t'es brûlé. Quelle folie. Tu t'es brûlé les couilles. Tu peux dire au revoir YouTube. Vous êtes tous morts. C'est un reroll. Vous pouvez dire au revoir YouTube. Attends, non, je suis pas mort. Il m'a pas tué encore là. Ah, t'es mort. T'es mort, j'annonce. Ah, j'adore. Ah non, tu veux voir comment ça va se passer ? Ok, très bien. Donc ouais, t'as fait ça. Donc lui, il vient là. 10, 5 gobelins. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je reviens 1 PV, je fais une action. 9. Il a... Tac, donc ils peuvent tous attaquer au moins une fois. C'est parti, on va commencer par le Fimir. Bah, c'est à toi, tu prends ton cristal, tu TP et hop là. On commence, c'est le Fimir. Oh non, ce serait trop dur de Fimir sur une mort. Ah bah, en même temps, les gars, tu mérites que ça.
on part. Tu mérites que ça, mec. On a un réussite dans cristal. Moi j'ai dit les gars, on part. Vous avez voulu réussite critique. Non mais c'est le responsable. On s'en fout, mais on fait ton esquive. Fais ton esquive s'il te plaît. Oui. Tu tapes ton esquive. Échec. Dégâts. C'est parti. T'as de la chance, j'ai pas été fou sur les dégâts. 3. Tu prends 3 points de vie. C'est fait. C'est fait. Attaque du premier gobelin. Donc on est d'accord que t'as claqué ton esquive contre ce monsieur. C'est parti. Ok, donc tu prends un dégât de gobelin. Deuxième gobelin. Putain, t'as de la chance, je fais même pas des jets bien ouf. Hein. Et tu reprends un dégât de gobelin. Il te reste un PV, je crois. Oui. Oh putain. Oh, donc. Ok. Et au prochain tour, tu fais quoi? Qu'est-ce alors. Que tu fais, c'est ton tour. Je vais faire une vision du futur. Premier. Mais pourquoi tu te TP pas? Mais je vais optimiser mes chances avec une vision du futur. Qui réussit critique. D'accord, tu vas te TP un mana. Yes. Très bien. Et je fais du coup une fuite. C'est dans le donjon ou je peux aller où je veux? C'est une réussite aussi. C'est dans le donjon normalement. Mais tu peux tout à fait te mettre là. Moi je peux fuir hein. Yes. Ouais mais ils vont savoir que je suis là ou pas? Bah non. De toute façon même le temps qu'il se retourne t'es parti si tu veux. Ok bah je me casse alors. Donc tu te casses, tu fais ça? Ouais je me casse. Je reviendrai vous sauver mes compagnons. Il y a les deux squelettes. Très bien. Alors on va prendre ton petit bonhomme. On va te mettre là. Donc ça on imagine c'est le couloir de la sortie tu vois. C'est cette ligne droite là. Incroyable. Magique. Tellement beautiful. Ouais ok. Bah t'as juste à attendre et tu peux re-TP. Ah du squelette. Bah je me re-TP. Bah ouais. Je suis sorti du combat, je re-rote, je me re-TP. Je m'en fous, je me TP jusqu'à la sortie, je veux pas mourir. Est-ce que, okay, est-ce que l'on est obligé? Tu peux trop TP, vas-y. Je vais vous sauver mes amis. Je reviendrai. Putain mais le maître fuyeur quoi. Bah ouais genre il a fui, genre il peut se TP hein. Au passage tu trouves le cadavre de la chasseresse. Oh yes, dans sa gueule. Putain, bah, je m'en vais le plus loin possible. Le plus loin que tu m'autorises, je le fais. Okay. Je me casse, je retourne au village. Je te TP jusqu'à la brèche, ensuite il faut que tu redescendes. La brèche de la muraille. Donc là soit tu refais encore une TP, t'arrives tout en bas. C'est toi qui vois. Ok bah attends, avant de me TP je recraque toute ma gemme de mana, et hop, nique sa mère. Je me remets fou mana. Tu te TP en boucle et c'est bon. Vas-y tu me fais un jet de dé pour te TP. Allez. On est jamais à l'abri d'un échec critique, toujours très rigolo. Oh, réussite critique. Réussite critique. Tu te TP très loin, sans problème. Tu prends un mulet, t'as gagné un mulet, félicitations. J'ai loupé ton mulet. Bon, mes amis, je viendrai chercher vos cadavres. Non, vous êtes morts, vous deux, vous êtes morts. T'as un vous mec, t'es plus expliqué pour toi. Parce que le problème, c'est que vous êtes en négatif, donc vous faites hémorragie. Non, j'étais à 0. Non, t'es à moins 1, toi, normalement, t'étais pas à moins 3. J'étais à 0. Non, j'étais à moins 2. Mais je suis à 0. Si t'es à moins 2, ouais, qu'il a. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, il va se passer des choses terribles s'il est à 0. Mais non. Ah, si, c'est terrible. Mais non, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est terrible. YouTube, tu ne peux pas voir ça. Des bisous YouTube, à la prochaine. Ah, YouTube.